on va vous tourner le dos. Donc si vous, ou bien vous n'êtes pas gêné par ça, ou bien vous pouvez nous rejoindre face. Vous n'êtes pas gêné par ça. donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est un plaisir pour moi d'animer pour la première fois ce soir l'une des conversations autour. C'est donc un cycle de rencontres qui a lieu une fois par mois ici dans la bibliothèque de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. La prochaine rencontre aura lieu le 3 décembre 2015. Le thème sera « Réinventer l'urbain ». Et puis je vais vous dire directement les intervenants, comme ça vous le notez dans vos agendas. C'est Manola Antonioli, Chris Younes, Julien Chopin et à ma place, ce sera Vincent Jacques pour le thème « Réinventer l'urbain ». Alors ce soir, notre thème est le théâtre, ses utopies et ses chantiers. On va presque être méthodique dans la manière dont on va explorer, déplier ce titre-là. On est 4 pour le faire, dont 3 hommes à ma gauche, à ma droite, qui vont le faire peut-être mieux que moi. Yann Rocher, Raphaël Magro et Xavier Fabre, bonsoir à tous les trois. Vous allez même prendre vos micros pour tester leur bon fonctionnement et les tenir bonsoir près de votre bouche. Bonsoir. Voilà. Et on va partir, puisqu'on est dans une bibliothèque de 3 livres, Théâtre en utopie, Yann Rocher, qui est paru chez Actes Sud, Théâtre de Liège en transparence, qui est paru édité par Mardaga et le Théâtre de Liège, et le Théâtre sans fin, la transformation du théâtre historique de Sète, qui est paru dans la collection L'Impensé aux éditions L'Actes Sud. Alors on va, j'ai dit, déplier ce titre-là de manière un peu méthodique, en commençant par parler de théâtre ses utopies. Manière de commencer avec vous, Yann Rocher. De quelle manière est-ce que ce travail qui est à la fois rendu dans le catalogue et qui fut rendu lors d'une exposition au lieu unique à Nantes, qui n'a pas rien à voir avec l'utopie architecturale par ailleurs, de quelle manière est-ce que vous l'élaborez en tant qu'une histoire parallèle des idées, une histoire parallèle de l'architecture ? Ça commence tout simplement par une observation, un constat qui est que ces lieux-là, ce programme plutôt, de dessiner un théâtre, fait rêver les architectes plus que la normale, on pourrait dire. Et donc, constatant qu'il y avait des tas de dessins dans plein de périodes de l'histoire, et aussi, notamment des périodes de rupture historique, je me suis demandé si je ne pouvais pas, en fin de compte, raconter une histoire qui est différente de l'histoire habituelle, de l'histoire des théâtres qui commence le plus souvent à l'Antiquité, qui passe par plusieurs étapes, le Moyen-Âge, la Renaissance, les théâtres à l'italienne, etc. Et à partir de là, se pose la question comment on les regroupe, comment assumer ce choix-là. Est-ce qu'on peut raconter une histoire cohérente? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est ordonnée de manière différente? Comment on raconte ces projets, comment on les articule, etc. Voilà. C'est né comme ça. Après, je peux raconter aussi en quoi j'identifie que ces projets sont utopiques. Alors là, il faut nuancer, il faut modérer, à savoir, donc, ce serait abusif, par exemple, de dire que tous les projets que je raconte, il y en a 90 dans ce projet Théâtre en utopie, ce serait abusif de dire qu'ils sont tous utopiques, par exemple. Il faut dire qu'à certaines époques, il faudrait plutôt parler de théâtre idéal. C'est le mot explicite employé par les concepteurs ou les critiques ou les historiens. À d'autres moments, on parle de théâtre utopique de manière bien plus précise et explicite. Et là, les architectes assument complètement de dire je ne vais pas le fabriquer, ce théâtre, de toute façon, c'est un prototype. C'est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose qui de toute façon ne se fabriquera pas. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait ces théâtres expriment d'une certaine manière des utopies ou des idéaux assez différents que j'ai essayé dans ce projet en fin de compte de raconter au plus près. Donc en prenant chaque théâtre, en essayant d'expliquer en quoi il est porteur d'utopie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à cette question. Bien sûr, alors quand on parle d'utopie, on parle évidemment de lieu. C'est dans la racine même de ce mot-là. En quoi est-ce que le lieu théâtre, en tant qu'il a à voir avec la ville, en tant qu'il a à voir aussi avec l'art qui sera fait, en quoi est-ce que c'est un lieu presque donné, béni, pour penser l'utopie en architecture ? Il l'est à plein de titres. Alors vous le citez, pour rebondir sur ce que vous dites, la ville par exemple. Donc l'architecture, la plupart du temps, les architectes ont une responsabilité dans la continuité de la ville. La ville, elle existe, elle a ses formes, son harmonie.
Et la plupart du temps, quand on dessine un projet, il doit s'inscrire à l'intérieur de la ville. Bon. Plein de projets, par exemple là, prennent à bras-le-corps le fait que le théâtre, c'est justement un bâtiment exceptionnel et qu'on n'est pas du tout obligé d'être en continuité comme d'habitude. Alors les architectes, ils en profitent. Alors ils font des formes complètement délirantes qui sont, on va dire, qui créent de l'hétérogénéité. Vous parliez, ce sont des lieux artistiques. Bon, la plupart du temps, on travaille pour des usagers qu'on ne connaît pas vraiment. On a un client en face, mais ce ne sera pas forcément celui qui utilisera le bâtiment et tout ça. En face là, bien souvent, c'est le cas en tout cas dans les exemples qui m'ont intéressé, les architectes ils travaillent avec des artistes qui ont de très très fortes singularités, des besoins d'espace, des besoins de machinerie, des besoins esthétiques. Et les architectes se disent « Ah ben, génial, je vais pouvoir faire un projet qui est absolument différent de ce que je fais d'habitude, prenons en compte toutes ces revendications artistiques et regardons si on ne peut pas faire une architecture différente pour une fois. » On pourrait prendre plein de cas comme ça, je vous en donne un dernier. Par excellence, le théâtre, c'est une machine. Depuis déjà des siècles. C'est-à-dire que dans la cage de scène, on a des tas de mécanismes et des choses qui vont permettre de créer l'illusion la plus formidable possible. Et on est un peu condamné en tant qu'architecte la plupart du temps à faire des architectures qui ne bougent pas, statiques, pérennes si possible. Là, pour une fois, on peut assumer de faire une machine, de faire une architecture qui bouge. Et par exemple, dans plein de cas qui m'ont intéressé, ces théâtres-là ne sont pas juste des écrins avec une machinerie à l'intérieur, mais deviennent des machines plus grandes, en fait, des machines à part entière, qui s'expriment même en tant que machines à l'extérieur. Donc tout ça pour dire, vous voyez, on peut, en fait, les utopies elles peuvent être à des tas de niveaux différents, à la fois dans la manière dont ça s'exprime d'un point de vue urbain ou par rapport à l'extérieur. Ça peut être dans le fait d'assumer des idéaux artistiques ou ça peut être d'assumer la machine. Quand on dit utopie, on n'est jamais loin non plus de l'idéal. Et d'ailleurs, vous avez dit que parfois, dans cette histoire des idées ou cette histoire parallèle de l'architecture, il fallait bien faire la distinction entre les moments utopiques et les moments idéalistes. Est-ce que ça veut dire, dans les 90 théâtres que vous avez étudiés là, 90 théâtres qui n'ont pas été réalisés, sauf en maquette à l'occasion de cette exposition à Nantes, qu'il n'y a pas de contraintes liées aux besoins des usages du théâtre ou des personnes de théâtre ou des artistes du théâtre ? Ben, on pourrait dire, ça pourrait être presque un quatrième point que je pourrais ajouter à ceux que j'ai mentionnés avant. C'est-à-dire, la plupart du temps, dans les projets d'architecture, on a quand même un programme, un budget et donc une forme de réalité comme ça. Beaucoup de ces théâtres-là ont une forme d'autonomie. Et j'entends par là, ils sont pensés sur le papier, pas forcément pour s'inscrire à tel ou tel endroit. Certains, oui, c'est des utopies dans le sens où on sent qu'ils s'inscrivent dans un lieu, mais quelque part, ils refusent ce lieu, ou en tout cas, ils s'expriment trop pour ce lieu. Mais là, dans plein de cas, il y a des gens qui décident d'inventer un projet, parfois même de manière extrêmement précise. Hein, ça ne veut pas dire que c'est utopique et donc on peut griffonner un truc pas très réaliste. Il y en a qui sont extrêmement réalistes et qui pourtant, dès le départ, sont pensés comme un espèce d'organisme qui a sa propre cohérence et tout ça. Donc on a, par exemple, il y a plein de prototypes, des choses qui sont brevetées, presque des choses qu'on pourrait après appliquer ou construire ici ou là, mais qui n'ont pas vocation du tout à être construites. Alors, les architectes, ils se saisissent complètement de cette liberté-là. Évidemment, il y a pas. Donc, beaucoup de projets sont gigantesques, utilisent des tas de mécanismes improbables. Voilà, ils ont une forme de radicalité de ce point de vue-là, une forme de liberté. Vous avez dit aussi que le théâtre pouvait être, et notamment dans ses projets utopiques non réalisés, une machine avec un mécanisme. Il y a des mécanismes de représentation, de public, de circulation. Ce sont des choses qui travaillent quel genre d'utopie, par exemple ? Vous avez rencontré quel genre de mise au centre ou mise en périphérie de la scène, quel genre de circulation du public dans les théâtres, quel genre d'inscription un peu originale dans la ville qui pourrait changer des théâtres qu'on a l'habitude de croiser.
Il y a des grandes catégories qui reviennent. Par exemple, il y a le thème au théâtre, mais ça, je pense que mes collègues, ils le diront aussi à leur avec manière. Avec des théâtres construits. Oui, parce que, par exemple, il y a des thèmes historiques au théâtre. Le thème de rentrer au théâtre, ça, c'est un grand thème. Donc, si on pense, par exemple, à l'Opéra Garnier, à son escalier, c'est quand même frappant de voir que l'escalier de l'Opéra Garnier, quand on regarde la coupe sur ce bâtiment, est plus grand que la salle elle-même. C'est une manière pour l'architecte de scénographier, de mettre en condition le public qui est dans la ville, qui est en train de se promener et qui tout à coup va basculer dans une enveloppe qui est protégée, qui va reconstruire complètement autre chose en fait, qui va ouvrir sur un ailleurs qui est celui de la représentation du théâtre et d'une œuvre. Donc par exemple, ce thème-là, il est saisi de plein de manières. Un autre fil conducteur intéressant, avec plein de réponses très radicales aussi, c'est la position que peuvent occuper les spectateurs vis-à-vis des acteurs. Et là, on voit que c'est une histoire, par exemple, cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire où, en fin de compte, les acteurs et les spectateurs sont proches, ensemble, ils forment un tout, et y compris l'enveloppe ou la forme qui les accueille. Des gradins circulaires, c'est la figure assez typique de l'Antiquité, par exemple. Il y a une espèce d'idéal antique comme ça, qu'on serait tous ensemble autour de l'acteur, et en fin de compte, on forme un tout avec la représentation et l'œuvre. Et puis des moments, et notamment à partir de la Renaissance, vous avez ce qu'on appelle le théâtre à proscenium, c'est-à-dire le moment où en fait, on commence à équiper, à structurer le théâtre pour que ça devienne une vraie boîte d'illusions avec toute sa mécanique, etc. À ce moment-là, le spectateur se retrouve devant un cadre qui, certes, assure une excellente illusion. On est vraiment devant un écran où à aucun moment on voit les subterfuges mécaniques, d'éclairage, etc. Tout est au service d'une illusion. Mais ça met complètement à distance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle un rapport frontal. On est vraiment, on identifie bien qu'on est spectateur et puis qu'au-delà d'une frontière, on voit ce qui est de l'ordre de la représentation. Donc il y a, si vous voulez, une forme de césure à ce moment-là, une coupure, on peut dire, entre la salle et la scène. Je détaille un peu pourquoi, parce qu'en fait, dans cette histoire de théâtre utopique, je parlais de cycle, on voit bien qu'il y a des moments où les concepteurs et les théâtres, en fin de compte, assument assez bien cette séparation, et puis il y a des moments de ras-le-bol où les concepteurs et les architectes décident d'essayer de refusionner les spectateurs avec les acteurs, ou en tout cas les imbriquer au maximum pour donner l'impression aux spectateurs qu'ils sont vraiment dans le spectacle, qui sont, on dit, immergés. Voilà. Et donc ça conduit à des modèles, souvent, soit d'éclatement de la salle, pour prendre des exemples, soit par exemple des espèces de modèles sphériques, où on entoure de manière extrêmement tridimensionnelle le spectacle, qui du coup doit être un peu vertical, enfin voilà. C'est deux exemples parmi d'autres, mais voilà deux grands thèmes. L'entrée dans la salle, ça c'est remanié de toutes les manières possibles, et puis la manière de faire rencontrer acteurs et spectateurs. Est-ce que ce sont des remaniements qui toujours ont un lien avec le moment de l'histoire des idées, l'époque dans laquelle s'inscrit le dessin, la conception, la fiction même que sont ces théâtres utopiques ? Oui, complètement. Toujours ? Non, pas toujours. C'est pas toujours très très clair, mais il y a des moments très clairs. Alors moi, par exemple, les moments de rupture historique que je mentionnais tout à l'heure, il y a des moments géniaux comme ça. Je pense qu'on a un moment dans la culture française, il y a un moment superbe qui est la Révolution, où on voit que très vite, il y a des concours qui sont organisés et les architectes ne répondent plus du tout à des besoins, une réalité théâtrale au sens du texte, du répertoire d'auteur, mais se disent, ce qui est plus important, c'est au fond ce qu'on vient de refonder, c'est-à-dire une société, des nouvelles règles et tout ça. Et on doit inventer des lieux qui vont favoriser des rites ou des manières d'aller célébrer la République, littéralement, et pas seulement le théâtre. Et ça rebat complètement les cartes. À ce moment-là, on voit l'apparition d'espèces de monstres qui sont des bâtiments. Il y en a un, par exemple, qui était censé être construit vers Orsay. Et le théâtre fait 600 mètres. Et en fin de compte, il y a un petit théâtre, il y en a même trois.
mais ce qui est plus intéressant presque, c'est que vous avez de quoi installer des milliers, des dizaines de milliers de personnes sur des gradins qui donnent sur la Seine. Et la Seine, le fleuve, devient à ce moment-là un lieu de jeu possible. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un exemple. Allez-y. Oui, il y en a un autre qui est un peu comparable. dans la culture allemande, juste après la Première Guerre mondiale, la jeune génération en fait, se retrouve dans un pays en crise qui vient d'être massacré à la guerre. Et on a un autre moment très différent de quelques architectes qu'on baptise la chaîne de verre, parce qu'ils se connaissaient, ils s'écrivaient, ils échangeaient des idées. Et ils se disent, il n'y a plus de travail. On refuse finalement ce que la société nous lègue, c'est-à-dire un pays dévasté, y compris sur le plan idéologique. Et ils se mettent à rêver tous à des théâtres qui dessinent et qui vont vers la nature. Et là, c'est assez joli parce qu'on voit que ça ne va pas du tout dans les villes, ce n'est pas des projets très réalistes, mais c'est des projets qui imitent les montagnes, qui imitent les grottes, qui imitent les forêts. Donc en fait, ils essaient de retrouver des sources d'inspiration pour leur pratique architecturale. Voilà deux exemples où on voit bien, pour vous répondre, que le contexte historique extérieur à l'architecture, enfin général, on va dire, a une influence extrêmement forte sur les architectes. Au point que ce contexte-là, qui est aussi un contexte des idées ou un contexte politique, prendrait parfois le pas sur la nécessité théâtrale et la proximité de l'architecte avec ce pourquoi le bâtiment est censé être dédié. Oui, et ces mêmes sujets, on va dire, ça peut être critiqué fortement. Les praticiens le font souvent. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on se dit, les architectes délirent, le théâtre, c'est pas du tout fait pour ça. Donc on pourrait le critiquer comme ça. Et c'est fait régulièrement. Parce que ce qui prédomine à ce moment-là, effectivement, c'est des aspects, on va dire, politiques. C'est la manière dont le bâtiment s'adresse à la ville. Et puis, en fait, quand on regarde comment le théâtre fonctionne lui-même, il n'y a pas vraiment d'invention, là, à ce moment-là. C'est plus une boîte. Donc, le théâtre devient un prétexte pour répondre à des enjeux qui sont plus théâtraux, on peut dire. A contrario, il y a évidemment des exemples qui démontrent que les architectes, même dans leur proposition utopique, se sont renseignés, ont entretenu des échanges, et on y viendra avec les théâtres qui ont été construits, les théâtres beaucoup plus contemporains, avec des metteurs en scène, avec des comédiens, avec des auteurs dramatiques, avec des gens dont le théâtre est le métier et qui connaissent évidemment toutes les nécessités de cette pratique-là. Il y a des correspondances qui témoignent de ça. Ouais, c'est pour ça que je parlais de nuances tout à l'heure, et j'ai essayé de faire une histoire parallèle mais nuancée. C'est pas du tout de dire voilà, des tas d'utopies, elles sont en décalage, elles sont intéressantes pour ça. Apporter la nuance à un moment donné, c'est de se dire il y a des concepteurs de théâtre qui n'ont pas les connaissances, on va dire, de l'outil théâtral, du répertoire et de la culture théâtrale, mais je plaide de les regarder chacun au plus près, parce que à l'inverse, on voit que certains sont des connaisseurs formidables. Enfin, ils construisent des décors. Ensuite, on voit que, comment dire, ils vont au théâtre. Enfin, ils ont une culture théâtrale. Et pire que ça, ils essayent de comprendre quelle est la demande du théâtre, ce qui n'est pas du tout évident. Hein, je veux dire, donc on peut contester toujours que les architectes font des théâtres mal adaptés et tout ça, mais à partir de la demande sociale et des programmes qui sont donnés, c'est pas toujours facile de répondre de manière très pertinente. Peut-être ça s'explique d'ailleurs quand je disais tout à l'heure que, au fond, ce sont des artistes qui les utilisent. Ça veut dire qu'ils ont une approche. Les artistes, c'est quand même des individus qui se singularisent, qui défendent des positions extrêmement spécifiques. Et en même temps, un théâtre, c'est un lieu qui est un lieu que j'appelle générique, c'est-à-dire c'est un lieu qui doit permettre la circulation des œuvres. Donc il y a une forme de paradoxe dans le théâtre. Chaque créateur de théâtre presque voudrait son outil à lui, et en même temps, l'outil lui-même doit permettre, et c'est ce qu'il justifie sur le plan économique, que les œuvres
que les œuvres circulent. En dehors des utopies du lieu unique pour l'œuvre unique qui existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le fantasme d'un théâtre qui n'existerait que de manière éphémère, au même titre que le théâtre est aussi une proposition éphémère. Oui, moi je peux prendre un exemple tout simple que j'aime beaucoup et que je cite souvent. C'est le Spectatorium qui est conçu en 1893 pour l'exposition colombienne à Chicago. Donc le thème, c'est de en fait, commémorer la découverte de l'Amérique. Et beaucoup d'architectes font des propositions à ce moment-là. Donc il y a un homme de théâtre qui s'appelle McKay, qui est un constructeur de décors et de mécanismes qui vit à New York. Et il a l'idée de raconter la découverte de l'Amérique par un théâtre qui serait dédié qu'à ça. Alors ça veut dire que le théâtre, il est entièrement dessiné juste pour raconter la découverte de l'Amérique. Alors au lieu de faire une cage de scène normale, il fait un espèce de bassin gigantesque. Donc c'est une espèce de une cage de scène qu'on aurait pliée comme ça. Au lieu que ce soit un plancher, c'est de l'eau. Et au lieu que ce soit des décors suspendus, vous avez les caravelles de Christophe Colomb qui glissent sur l'eau, des morceaux d'îles, tout ça. Donc je trouve que ça vaut le coup d'aller regarder cette histoire-là. On en connaît certains, je veux dire, dans l'histoire de l'architecture, il y en a quelques-uns qui sont quand même bien connus, le pavillon Philips de Le Corbusier Xenakis, par exemple. Mais presque, on pourrait faire presque une petite histoire à part. Il y en a facilement une dizaine comme ça dans l'histoire. Des c'est théâtres uniques pour œuvre unique. Oui, oui, oui. Et qui est évidemment une utopie en soi. Pour en revenir à ce dialogue entre la nécessité du théâtre, la nécessité artistique, machinistique presque, et la proposition utopique ou idéale de l'architecte, est-ce que parfois la proposition de l'architecte, si bien renseignée, va jusqu'à éventuellement produire de la nouveauté dans la pratique théâtrale, produire même de l'utopie dans la pratique théâtrale? Est-ce que c'est poussé jusqu'à ce point-là dans certaines propositions? Ce serait risqué de l'avancer parce que ça demanderait à être vérifié presque par des personnes tierces dans ce cas. On a l'habitude de dire que cette histoire du théâtre, mais ce sera intéressant d'entendre Raphaël et Xavier là-dessus. C'est une évolution très lente depuis la nuit des temps. Alors il y a des gens qui ont des besoins qui font du théâtre, il faut les installer correctement. On y répond comme on peut. Et effectivement, je pense qu'il y a des créateurs qui, par exemple, à un moment donné, vont avoir un lieu d'élection, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à imaginer une œuvre qu'ils n'auraient pas imaginée s'ils n'avaient pas eu le lieu ou l'outil. Donc, on dit, voilà, c'est une dialectique lente, laborieuse. Elle est faite probablement, à mon avis, de malentendus, de dysfonctionnements, et puis de jolis moments, de belles rencontres où on peut dire la rencontre entre un projet d'édifice et puis son utilisateur va donner quelque chose qui ne serait pas né si elle n'avait pas existé. Et surtout, et là, si on bascule dans le réel, c'est aussi des questions de temps, et ça peut arriver dans des temps de résidence, quand des metteurs en scène, quand des compagnies élisent un lieu pour un certain temps et y travaillent jusqu'à ce que le lieu imprègne et leur pratique imprègne le lieu, quitte à le transformer. Hein. Si on reprend par exemple le lieu unique à Nantes où vous avez exposé, c'est un lieu qui a été conçu dans son évolution possible dans le temps. Une certaine utopie d'ailleurs. Oui, c'est un cas particulier. Oui. Particulier. Pas de détails sur le lieu unique. Peut-être je fais une parenthèse sur le fait d'avoir pu travailler là. Alors ça avait beaucoup de sens de faire théâtre en utopie à la Saline Royale dans un premier temps et ensuite au lieu unique. Parce que le lieu unique est une forme d'utopie de plein de manières, on peut dire. D'abord, il y a cette utopie dont on parle parfois avec Xavier, d'ailleurs. L'utopie que, en fin de compte, on peut remettre de la culture dans les lieux de travail. C'est-à-dire, c'était une ancienne usine. Et donc, à un moment donné, c'est de se dire on peut peut-être réenchanter la ville ou en tout cas faire en sorte que ces enveloppes qui étaient très belles liées au travail... ça puisse être des lieux de divertissement, des lieux de culture. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a une chose, effectivement, très, très particulière dans ce projet, qui a été portée par Patrick Bouchain et qui est toujours portée maintenant par l'équipe et puis Patrick Guiguer. C'est de se dire on peut rénover un lieu en le faisant au fur et à mesure de son chantier. Bon, ça, c'est quand même une utopie assez folle et redoutable, parce que les chantiers, c'est très compliqué en règle générale. Vous parliez des résidences, j'y reviens, les résidences d'artistes. Donc effectivement, il peut y avoir des moments où un créateur
va aller à la rencontre d'un lieu, il va se produire quelque chose d'assez particulier. Et si vous voulez, quand vous dites ça, vous me faites penser à tous ces metteurs en scène qui vont à la conquête de lieux industriels, par exemple, Peter Brook, évidemment, on pense à lui, ou même à Ariane Mnouchkine à la cartoucherie, cette idée qu'en fin de compte, on peut réinventer un théâtre dans des lieux qui ne sont pas du tout faits pour. Bon. Et parfois, on ne peut réinventer un théâtre qu'à condition de trouver le lieu qui n'est pas du tout fait pour. C'est-à-dire que parfois, la liaison entre le théâtre et le lieu, oui, au-delà même de l'utopie, devient une nécessité qui fait que sans ce lieu-là, le travail ne peut pas avoir... pas avoir lieu, c'est le cas de le dire. On va passer au chantier et au réel avec vous, Xavier Favre et Raphaël Magrou. Est-ce que vous pouvez nous dire, Raphaël Magrou, dans quel temps, dans quel espace vous avez suivi l'évolution du théâtre de Liège avant de rentrer dans ces transes, plein de transes différentes? Alors moi, le théâtre de Liège, le premier contact que j'ai eu, c'était en fait en fin de chantier. Parce que la décision de faire un livre sur le théâtre de Liège est venue assez tard, malgré une certaine préparation et des architectes et du théâtre dans cette idée de faire un livre. Mais ils m'ont contacté alors qu'on était à 4 mois de l'ouverture du théâtre. Sachant que c'est un chantier qui a duré 30 mois. Donc on est sur un processus assez long. Et que c'est, alors pour le chantier, c'est 30 mois, mais pour le projet, c'est 12-13 ans. Entre la première décision d'occuper l'ancien bâtiment de la Société libre d'émulation, puisqu'on est dans un bâtiment existant, et de le transformer en théâtre de Liège, puisque c'est le théâtre de la place, c'est l'équipe du théâtre de la place qui était installée outre Meuse, donc sur l'île qui fait face au centre-ville de Liège. Et le théâtre de la place avait besoin d'un nouveau lieu. Et voilà, il y a eu ce long projet en gestation. Donc moi, j'ai été appelé en fait sur la fin du chantier par d'une part par le théâtre, parce que j'étais déjà en contact avec eux pour d'autres sujets, pour d'autres considérations, et aussi par les architectes avec qui j'avais déjà noué des liens, visité différents bâtiments. Pierre Eblenck et Pierre De Witt sont les architectes qui ont réalisé le Grand Ornu à Mons, le musée d'art contemporain, et ils ont réalisé aussi le théâtre du Manège à Mons, donc ils avaient déjà cette pratique de construction de lieux de spectacle. Et cette pratique aussi d'intervention dans un édifice existant, en considérant une partie patrimoine et en tentant de réinventer aussi un lieu capable d'accueillir des productions contemporaines, comme c'est le cas pour le Théâtre de Mons, et là, en l'occurrence, pour le Théâtre de Liège. Après, pour ce projet de livre, alors moi, je suis en tant qu'auteur, je suis arrivé à quelques mois de l'inauguration, mais le théâtre avait commandé un reportage photographique à une photographe, Marie-Françoise Plissard, qui a suivi, depuis l'entrée dans les murs de la Société libre d'émulation jusqu'à sa transformation et à la livraison, toutes les phases de transformation, justement, de transmutation de ce lieu. Donc j'ai pu m'appuyer aussi sur ce témoignage visuel par le biais du regard de cette photographe. Tout à l'heure, Yann Rocher disait à quel point est-ce que le besoin et l'expression du besoin du théâtre étaient importants. Là, vous le dites, le théâtre La Place avait besoin d'un lieu. Comment est-ce que c'était exprimé ce besoin-là? En quels termes? De quelle manière est-ce que c'était adressé aux architectes? Alors, le théâtre de la place, c'est l'histoire d'une équipe qui a itinéré de lieu en lieu. C'est des choses qui arrivent. Hein. Le couple Renaud Barrault ont itinéré dans différents lieux, entre le théâtre du Rond-Point, l'Odéon. Enfin, et les équipes, souvent, migrent d'un lieu à un autre en fonction des opportunités, des programmations, des rencontres avec des lieux aussi, des rencontres entre des personnes. Et là, pour le théâtre de la place, en fait, anciennement, il s'appelait le théâtre du gymnase, ils étaient en centre-ville, et dans une politique de construction de lieux de culture, mais de culture et de sport aussi, donc de lieux polyvalents, avait été construit le théâtre de la place, donc sur l'île d'Outremeuse. Et c'était un théâtre qui était provisoire, a priori provisoire.
Et bon, au bout d'une vingtaine d'années, le lieu provisoire s'est avéré quand même un peu... pérenne. Voilà, c'est du provisoire qui dure ou l'éphémère durable, je ne sais pas comment le nommer. Mais c'est, voilà, donc c'est une équipe qui se retrouve avec un outil qui est vieillissant, qui n'est pas adapté à pouvoir absorber, accepter aussi un renouvellement de production, d'accueil de différents spectacles. Et aussi, c'était une scène qui pouvait accueillir des spectacles, du spectacle vivant, mais aussi des matchs de basket, mais aussi des concerts, donc, voilà, qui était vraiment soumise à rude épreuve. Et c'est Jean-Louis Collinet, qui était directeur du Théâtre de la Place à l'époque, qui a émis, d'abord qui a tiré la sonnette d'alarme, en écrivant aux instances que ça devenait dangereux, même physiquement, mais même pour l'avenir de ce théâtre, de poursuivre ce travail dans ces murs. Et ensuite, le projet s'est mis en place. Ils avaient identifié différents lieux. Et il se trouve que le bâtiment de la Société libre d'émulation était en déshérence, mais enfin, il était en voie d'abandon. Et la ville, le bourgmestre, n'avait pas véritablement les moyens de maintenir ce lieu, qui en plus était un lieu privé, qui était conduit par l'association des amis de la Société libre d'émulation. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez organisé votre livre selon des mots qui, dans un premier temps, commencent tous par « trans », on pourrait en prendre plein. Il y a une transmission à un héritage architectural qui est donné comme un point de départ par ce bâtiment-là, le bâtiment libre de l'émulation, drôle de nom d'ailleurs, très drôle de nom quand même, pour un théâtre. Ça peut être assez bon signe, je trouve. Avec quel héritage architectural ils ont dû faire et composer ces architectes? Alors ça a été assez complexe, parce qu'en fait, l'histoire de la Société libre d'émulation date de la fin du XVIIIe. C'est le prince-évêque Velbruck qui a mis en place cette Société libre, qui était là pour prôner les arts, les lettres, mais aussi les sciences un peu plus tard, puisque le siège de l'université est juste en face du lieu du bâtiment de la Société libre d'émulation. Et c'est d'abord un premier bâtiment qui a été donné par ce prince-évêque pour abriter, en fait, plus particulièrement des conférences. Ce n'était pas un lieu de spectacle, hein. C'était plus un lieu de conférences, de débats. Et il se trouve qu'en 1914, ce bâtiment a brûlé parce qu'il y a eu des échauffourées entre des soldats allemands, des liégeois. Et donc le bâtiment a été intégralement brûlé. Et il a fallu attendre une vingtaine d'années avant de pouvoir réenclencher le projet et sur ce même site de construire à nouveau un lieu que je n'appellerai pas théâtre, mais un lieu capable d'accueillir justement les différentes manifestations de cette Société libre d'émulation. Et pour construire ce lieu, en fin de compte, on se retrouve avec un bâtiment qui est assez anachronique entre sa structure et sa façade. C'est-à-dire que la commande express du bourgmestre et de la municipalité de Liège était, grosso modo, de reconstruire une façade classique qui laisse à voir, qui laisse transparaître le contenu justement de ces arts et de ces lettres qui faisaient vibrer l'édifice. Mais on était dans les années 30 et le béton armé avait déjà pris sa place. Et donc l'architecte Julien Koenig, qui a réalisé ce bâtiment, qui a dessiné et réalisé ce bâtiment, a mis en place une structure, une ossature en béton, donc un dispositif qu'on pourrait presque qualifier de plan libre, mais en tout cas qui a permis de dégager de grands volumes comme la grande salle, et c'est ce dont les architectes ont pu bénéficier pour le transformer en théâtre à proprement parler, mais derrière une façade néoclassique en pierre, en brique, avec des moulures, avec des évocations des allégories de ces différents arts. Donc on se retrouve avec une dissociation entre la façade, ce qui est donné à voir vers la ville, et l'intérieur, où en fait on a cette structure qui évidemment est habillée, et l'intérieur correspond en termes de décor à l'extérieur, puisqu'on a des moulures, on a des plafonds, on a des,
on a des peintures sur les murs. Pour en revenir au Théâtre de la Place, qui donc pour l'instant n'a pas encore de lieu, n'a pas encore posé ses valises dans ce nouveau lieu qu'on n'appellera pas théâtre, mais bien trans plein de choses, hein, parce qu'on dira tout à l'heure à quel point est-ce qu'il accueille plein de choses. Une fois que ce lieu est désigné, il faut dire ce qu'on y fera. Est-ce qu'ils expriment, et en quels termes, je vous demandais tout à l'heure, leurs besoins ? Est-ce qu'on peut parler d'utopie ? Est-ce qu'ils se disent, on aimerait bien, nous, puisqu'on a travaillé 20 ans dans un lieu éphémère, s'installer dans un lieu qui sera ça, 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 qui aura telle circulation, telle mise en valeur de la scène de représentation, etc. Alors oui, d'une certaine manière, parce que, mais comme beaucoup de lieux de spectacle, c'est avant tout le fruit de rencontres entre une équipe et un concepteur spatial ou un architecte. On le voit dans il y a un certain nombre d'exemples dans le livre de Yann. Et donc, en fait, les architectes Pierre Eblink et Pierre De Witt ont été très attentifs à réaliser ce que l'équipe du Théâtre de la Place souhaitait avoir comme outil. Mais en fait, avec du recul, ils se sont rendus compte qu'il y avait des limites à ce type d'exercice. Alors, ils ont effectué un inventaire extrêmement précis de tout ce qu'il y avait au Théâtre de la Place, mais jusqu'au moindre boulon au niveau de l'équipe technique, de ce qu'ils avaient, de comment ils rangeaient leurs outillages, quelles habitudes ils avaient en termes de déplacement, même au niveau de l'équipe administrative, comment ils se réunissaient, quel était leur emploi du temps, vraiment toute cette organisation, ils l'ont retransposée en un organigramme. Donc c'est une organisation spatiale pour voir un petit peu comment faire en sorte d'optimiser justement ces déplacements et ces rencontres. Et après, l'exercice difficile, c'était de rentrer tout ça dans le corset du bâtiment existant, parce que c'était difficile de rentrer un tel programme quand je dis un corset, c'est parce qu'en fait, on a une seule façade et tout le reste est inséré dans le tissu urbain. Donc il n'y a pas beaucoup de place, et donc ça a été fait au forceps d'une certaine manière. Mais là où le travail d'équipe a été vraiment optimal, c'est que les architectes ont proposé différentes possibilités de transformation et d'occupation de cet îlot pour en faire un vrai théâtre de Liège. Et ils ont sollicité la municipalité pour expliquer que selon différents scénarios, il fallait préempter, démolir certaines constructions existantes attenantes aux bâtiments dont ils héritaient pour le théâtre. Et enfin, à partir de ces différents scénarios, de faire la démonstration de l'espace nécessaire pour réaliser un théâtre dans la mesure, ou en tout cas dans les dimensions attendues par l'équipe du Théâtre de la Place. Est-ce que le Théâtre de la Place trouvait là, ou voulait trouver là, un espace dans lequel il allait faire un autre théâtre que celui qu'ils avaient fait pendant 20 ans ? Est-ce qu'il profitait de ce déménagement-là aussi pour dire « nous avons d'autres choses à inventer ». On disait tout à l'heure l'importance évidemment du lieu pour changer son théâtre. Est-ce que c'était le cas ? Alors pour inventer, disons que le Théâtre de la Place, aujourd'hui Théâtre de Liège, ils sont dans une réalité économique, et puisqu'on est dans un bâtiment construit et dans une programmation et donc dans un budget de programmation, ils sont d'abord, ils ont en tant que scène de spectacle vivant, ils ont plusieurs approches. Il y a des approches de production ou coproduction, et aussi ils reçoivent des spectacles qui sont en tournée. Donc de fait, c'est plutôt de mettre en place un outil qui soit capable de, non pas de réinventer la relation entre un public et une scène, mais de la rendre la meilleure, quelle que soit la configuration, que ce soit du théâtre, que ce soit de la danse, que ce soit même de la musique, et donc d'essayer de trouver plutôt la formule, le dispositif, la salle avec sa courbure, avec son nombre de places, la scène avec ses dimensions, avec ses cintres, avec ses côtés de scène, ses dessous de scène. Voilà, donc de trouver cet équilibre pour pouvoir permettre surtout d'offrir aux différents metteurs en scène, chorégraphes, l'espace nécessaire et suffisant pour pouvoir s'exprimer.
Après, dans ce lieu, on a cette grande salle, mais par contre, ça a été l'opportunité pour eux de créer une seconde salle qu'ils n'avaient pas auparavant. Et dans cette seconde salle, on a un dispositif qui est en fait un grand paraépipède rectangle où les gradins se déploient ou se replient. Et donc là, il y a la possibilité, oui, d'inventer, de tester, d'élaborer d'autres relations entre le public et l'action et la performance. D'autant que cette salle, cette seconde salle, elle, est en porte-à-faux au-dessus de la rue et elle bénéficie d'une grande baie vitrée qui regarde la ville. Qui regarde la ville, mais aussi la ville regarde cette scène. Et donc, il y a ce dialogue qu'ils ont pu instaurer et d'utiliser, en fait, cette réalité urbaine comme potentiel fond de décor. Alors, dans la réalité, peu de metteurs en scène l'utilisent parce qu'on a des systèmes de rideaux qui permettent d'obturer aussi, parce que c'est aussi là, dans cette proposition de la part des architectes, mais en accord avec Serge Angoni, le directeur du TED de Liège et son équipe, c'est aussi d'expérimenter cette mise en abîme, quelque part, et cette transparence absolue donnée à une scène qui a comme fond de décor la ville, l'université, la place du 20 août, qui sont vraiment devant le théâtre. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé 4 mois avant la livraison. Comment est-ce que vous décririez, puisqu'on ne l'a pas dit, mais Yann Rocher, vous commencez par une fausse inauguration d'un théâtre. Il me semble que votre livre commence par une vraie inauguration d'un théâtre, Xavier Fabre. Alors vous qui ne la racontez pas exactement, Raphaël Magrou, comment s'est passé justement ce moment où ils ont posé enfin leurs valises et ils ont pris place dans un lieu qu'ils espéraient ? Alors en guise d'inauguration au Théâtre de Liège, ils ont proposer un certain nombre de visites au public, mais au public, aux habitants, aux passants, et ils ont été absolument, débordés, surpris surtout par le nombre de demandes. Et en fait, ça a été une manière de saisir, après cette transformation de ce bâtiment, qui est un bâtiment emblématique, pas tant du point de vue de l'architecture, mais plutôt du point de vue de son contenu, donc la Société libre d'émulation. Et donc, il y a eu beaucoup de visites. Donc, c'est tout le personnel du Théâtre de Liège qui assurait les visites, donc qui connaissait de fond en comble tout le bâtiment. Ce n'était pas exclusivement les architectes qui faisaient les visites. C'est vraiment la médiation a été faite par toute l'équipe du Théâtre de Liège. Et de fait, pour le public qui est habitué au Théâtre de la Place, mais pour des gens qui n'étaient jamais allés au théâtre ou qui ne connaissaient pas ce lieu, c'était l'opportunité non seulement de visiter, mais de s'approprier les lieux. Et de fait, c'est quelque chose qui... C'est une main tendue à tout un chacun et qui a permis, en plus, de sensibiliser un certain nombre de personnes à, d'une part, regarder l'investissement qui a été fait dans la transformation de ce lieu. On a respecté le patrimoine qui était en place, il y a des parties classées, la façade a été intégralement restaurée, mais venez voir l'outil qu'on a mis en place, venez vous installer et échanger aussi avec les concepteurs, échanger avec l'équipe et comprendre ce qu'on y fait. Parce que c'est un lieu de spectacle, ça peut être un peu impressionnant, on peut se dire non, c'est pas pour moi, c'est... D'autant plus le jour de l'inauguration où il n'y a pas de spectacle, c'est-à-dire que d'un seul coup le théâtre n'est que le lieu du théâtre lui-même, n'est que le lieu du geste architectural et de l'outil, et où il n'y a rien d'autre à voir que ce lieu-là. Mais là en plus, enfin c'était pas un jour d'inauguration, c'était un week-end d'inauguration, donc il y avait 3 jours, les gens étaient disponibles, et en fait c'était la promenade et l'opportunité vraiment de passer à travers les murs. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces entrées en utilisant le préfixe trans, puisque c'est l'idée d'aller au travers. Et c'est et véritablement, moi j'ai fait plusieurs visites où j'ai accompagné pour écouter un petit peu les commentaires. Et les gens étaient... alors il y avait des critiques, en disant mais pourquoi cette couleur et pourquoi et les dorures où sont-elles passées sur les costumes des ouvreurs mais il y avait une certaine surprise de la part des uns et des autres et notamment je l'évoque dans le livre et ça c'était pour le premier spectacle qui était un Roméo et Juliette mis en scène par Yves Bonnen.
Et il y avait une dame qui n'arrêtait pas de se plaindre de « Ah, mais ce théâtre, c'est pas possible. La pente, on a le vertige. Et puis, c'est sombre. » Mais à côté de ça, elle explique à sa voisine, elle dit « Mais étrangement, je vois toute la scène. Je suis pas gênée. Enfin, comment ils ont fait ça ?» Enfin, elle n'arrivait pas à comprendre. Et, et moi, en entendant ça, évidemment, je l'ai transmis aux architectes et à l'équipe, je me disais, mais enfin, ils ont réussi leur pari. Parce que c'était quand même un peu le grand écart entre les conservateurs du lieu dans son jus, sans vouloir changer une moulure, un fauteuil, ni quoi que ce soit, alors que ce n'était pas un lieu fait pour recevoir du spectacle vivant, et de le transformer pour s'autoriser à recevoir des productions contemporaines. Et de faire des créations aussi sur cette scène. Alors vous parlez d'un week-end d'inauguration, il me semble que c'est 14 heures d'ouverture pour le théâtre de Sète, Xavier Fabre, que vous décrivez en début d'ouvrage. Oui, mais je ne me rappelle plus combien d'heures. Mais on va dire 14, je crois que c'est le chiffre qui m'est resté. C'était une grande fête. Ouais. Alors vous suivez un autre chantier, un petit peu plus au sud, c'est le théâtre de Sète, c'est aussi une transformation. Sur quel temps vous le suivez et peut-être pourquoi celui-là ? Oh, c'est 2 ans d'études et 2 ans de chantier. Voilà. Un petit peu de travail. Plus près de votre bouche, comme ça tout le monde va vous entendre correctement. Plus près. Voilà, d'accord. Super. Donc 2 ans de chantier et 2 ans d'études. Voilà. À l'instant, on décrivait un livre qui commence ou un travail d'écriture et d'observation qui ne commence que 4 mois avant la date de la livraison. Vous êtes attiré comment sur ce chantier du théâtre de Sète ? Par l'argent. C'est une très très bonne chance. Je suis architecte, donc je fais le concours que je gagne avec difficulté, mais que je gagne. Donc voilà, c'est pour gagner ma vie. Mais c'est aussi pour m'occuper du théâtre. Et donc, je suis un peu dans une position où, dans cette aventure de rénovation d'un théâtre historique, je fais face à certaines difficultés. Et l'idée ne vient pas de moi, elle vient d'Yvan Tranchant, qui est le directeur du théâtre. Il dit quand même tout ce qu'on a comme mal pour faire restaurer un théâtre maintenant, il faudrait le raconter. Et il me dit, bon, t'es là, tu connais, tu vas le faire, et je m'y suis mis et je l'ai fait, voilà. Donc c'est simplement le récit d'une aventure et d'un questionnement sur un process de conception et de rénovation d'un théâtre historique. Voilà. Pourquoi on pose cette question ? Je dirais, il y a 3 problèmes. 1, la grande difficulté du théâtre actuel, c'est quand même le problème de fond, et la bataille que mènent tous les gens qui s'occupent de théâtre, les créateurs, les artistes, les comédiens, et les gens qui veulent faire tenir une scène nationale et apporter le théâtre au plus près des gens. Bon, une difficulté qui n'est pas le débat ce soir, mais qui est centrale, et qui rejoint des questionnements de l'utopie, d'ailleurs. Parce que le théâtre est toujours une demande d'aller vers le public, et les conditions sont empêchées en permanence. Une deuxième difficulté, c'est que ce théâtre est un monument historique, inscrit, qu'il a toutes les formes d'un beau petit théâtre 1900 qu'on a construit après le développement de Garnier. Vous savez, dans toutes les préfectures et sous-préfectures de France, on a construit des théâtres. Et il est la représentation parfaite de ce qu'on a appelé, de ce qu'on a caricaturé comme étant le théâtre bourgeois, que d'une certaine manière, tous les gens qui ont été des rénovateurs du théâtre dans les années 50 jusqu'à les années actuelles rejettent. Hein. Cantor disait, on peut faire du théâtre partout, sauf dans les théâtres. Et j'adore Cantor, pour moi c'est le plus grand. Et donc il y a quand même dans une deuxième contradiction, c'est que beaucoup de gens du théâtre disent, le dernier endroit où on veut faire du théâtre, c'est dans ces lieux-là, où on a toutes les critiques sur la non-visibilité, sur la fermeture, sur le décor surabondant, sur le cadre qui est trop fermé entre le public et l'acteur, et sur le fait que finalement, critique un peu facile, mais c'est un théâtre de classe avec les riches en premier, puis après, plus on est pauvre, plus on monte. Encore faut-il déjà être à l'intérieur du théâtre, ce qui est déjà une séparation. En plus, il faut être à l'intérieur du théâtre, ce qui n'est pas donné et qui n'a jamais été donné à tous. Mais qui est une critique fausse, en fait. On sait que maintenant, statistiquement, les théâtres ont toujours été quand même pratiqués par un public très large, beaucoup plus large que ce que l'on veut dire. Et ce n'est pas les bourgeois qui vont forcément en premier. Bon. Donc ça, c'était la deuxième contradiction. Le théâtre qui est, d'une certaine manière, rejeté par les gens de théâtre. Le théâtre comme lieu, vous voulez dire, comme enceinte. Oui, puis le théâtre historique, si vous voulez. Le théâtre qu'on dit un peu facilement à l'italienne, là, en fait, c'est un théâtre à la française, c'est-à-dire qu'il a des baignoires, des balcons, des choses plus complexes
que le mur de loge que représente le théâtre italien. Et puis une troisième contradiction qui était féroce au départ, qui s'est petit à petit travaillée, qu'évoquait Raphaël ou qu'a pu connaître Yann, c'est le fait qu'on est face à des partenaires qui sont les monuments historiques, qui vous disent « ceci est un théâtre, mais c'est un monument historique, donc vous ne touchez pas, vous ne faites rien ». Et l'habitant du théâtre, celui qui travaille, qui dit « mais moi j'ai besoin de pousser les murs, de changer, de transformer, voilà ». Et donc il y a un conflit. Et ce conflit dans notre système français est assez mal géré. Enfin, il est géré un peu mal partout, mais la France ne se débrouille pas si bien que ça. Et les architectes ont à jongler entre ces différents propos. Hein, le discours contre le théâtre, le discours pro-monument historique, mais qui est contre la vie du théâtre, et la vie du théâtre elle-même qui est difficile. Donc c'est un peu le livre, c'est un peu le récit de ce parcours et de ces aventures. Avec A7, deux choses merveilleuses. Un, c'est un très très beau théâtre qui est construit avec le développement de la ville en 1900, quand se développent les échanges coloniaux, et donc il y a de l'argent et on fait un théâtre plus beau que ce que pourrait être en lui-même la ville. Et deuxièmement, ce théâtre devient de suite un lieu de référence populaire où le peuple de Sète dit ça c'est un monument pour nous, c'est notre monument, et il y a une adhésion, si vous voulez, sociale très forte à ce lieu qui n'est absolument pas un théâtre bourgeois et auquel tout le monde va, même si, bien sûr, la pratique culturelle est ce qu'elle est. Et donc, c'est un théâtre qui est porté, si vous voulez, et qui est encore porté jusqu'à présent. Effectivement, quand on ouvre un théâtre maintenant, tous les gens viennent voir cette machine merveilleuse, essayent de découvrir, et cette magie de la découverte des lieux de théâtre, on la découvre partout, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait presque ouvrir les théâtres simplement pour la visite. Vous savez, on dit, si on veut comprendre ce que c'est le théâtre, il suffit d'aller s'asseoir tranquillement, silencieusement dans un théâtre et on comprend. Et donc, le récit, c'est ça. L'intérêt, c'est ça. C'est qu'effectivement, moi, j'ai vécu une expérience très fortement critiquée souvent par mes collègues des monuments historiques parce que j'ai une position différente de la leur, même si j'ai la même formation. Ou par exemple, je défends l'idée qu'il faut mettre l'argent sur le spectacle vivant et sur l'équipement et sur la transformabilité du lieu, tout en respectant le monument, mais pas mettre tout l'argent sur la restauration des décors, de l'or et des sculptures, si vous voulez. Hein ? Ce qui va plutôt dans le sens d'une très grande proximité entre le souci de l'architecte qui va penser à la perméabilité du lieu et à sa possibilité d'accueillir ce qu'on dit être du spectacle vivant, soit changeant, modifiant, vivant, et non pas à l'inverse, c'est-à-dire un grand éloignement de l'architecte qui serait loin de ses préoccupations théâtrales. Alors, oui et non. Quand je vois ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, moi je tiendrais à dire que l'architecture en général, et le théâtre encore plus en tant que lieu, en tant qu'espace, est toujours en retard par rapport aux pratiques et aux usages. C'est une chose que les architectes ne veulent pas comprendre, mais qui est pourtant fondamentale pour saisir l'architecture. L'architecture est toujours en retard. On ne fait que rattraper l'invention des hommes, l'invention de la culture, l'invention des pratiques culturelles et artistiques. Et on s'adapte et on avance. C'est pour ça que vous avez, je dirais, deux ou trois positions. La position de dire, on va d'une certaine manière jouer par la convention et on va fixer des cadres parce que le lieu doit d'une certaine manière être structuré pour répondre à un certain effet fonctionnel et de l'époque. Et donc, on peut suivre l'histoire de l'architecture avec l'histoire du théâtre. On a à chaque fois une évolution des formes, mais assez régulièrement une convention qui a du mal à se transformer puis qui donne tout bascule. Il y a bien sûr tout à fait l'inverse, c'est-à-dire la recherche utopique, c'est-à-dire quand on n'en peut plus du théâtre dans lequel on est, on fait péter les murs et on invente d'autres formes et les architectes le dessinent avec les artistes. Hein. Et puis une autre forme qui est celle de Patrick Bouchain ou qu'on défend avec quelques collègues, c'est effectivement de dire l'architecture doit se tenir en retrait. Elle est là pour apporter justement, comme dans une scène de théâtre, le lieu dans lequel va se dérouler la vie des gens, et les gens vont monter eux-mêmes d'une certaine façon avec les outils qu'on aura préparés, hein, tout est dans la distance de ce qu'on prépare ou pas, pour que le théâtre se construise lui-même à chaque fois pour ses représentations, ses adaptations. Mais cette position est très délicate, parce que où est-ce qu'on met le curseur ? Mais c'est toujours dans une position de réponse. Alors, c'est toujours dans une distance qui va observer, écouter le besoin, éventuellement observer le vivant en train de se faire, travail artistique, travail autre, et en fonction de cette observation, proposer une réponse architecturale. Oui, oui et non. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué à expliquer, si vous voulez. Il y a, dans un théâtre, dans un lieu de théâtre, à chaque époque, il y a énormément de conventions. Il faut comprendre que nous sommes marqués par une convention.
Hein, et tout le monde veut l'oublier parce que les livres ont un format, ils ont un caractère. On ne fait plus des livres immenses comme ça, on ne fait pas des tout petits livres. Le livre a un format, il a une échelle, il a une architecture. Les bâtiments de théâtre, encore plus. Il y a un rapport, le théâtre, c'est quand même la construction du regard et la construction de l'être ensemble. À chaque moment de la société, on a cette construction-là qui s'établit à travers des conventions. Elle n'est pas complètement libre. Hein. Deuxième chose, il y a effectivement la recherche d'une réponse à certains besoins tels qu'ils peuvent s'exprimer, mais moi je récuse tout effet de simple fonctionnalisme, si vous voulez. On est bien sûr à l'écoute, on essaie de comprendre comment les gens jouent, qu'est-ce qu'ils veulent produire, comment ils veulent faire, ce qui fait que tant et si bien dans tous les théâtres actuellement, on va vers la multiplication des salles parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs manières de faire et qu'on ne peut pas dans une seule salle les faire toutes. Et tous les théâtres maintenant veulent une grande salle traditionnelle, frontale, cadrée, avec la boîte noire pour faire tous les éclairages. Ils veulent une boîte à chaussures noire dans laquelle on peut bouger en tous les sens et même faire un système central. Et puis, ils veulent un foyer tordu dans lequel ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ici, et c'est merveilleux. Voyez, et ils veulent les trois. Dans tous les programmes maintenant de théâtre, vous avez cette demande-là. Et puis maintenant, je suis sûr qu'un jour, ils vont devoir. On voudrait aussi un petit théâtre historique dans un coin parce que ça va revenir. Voilà. Mais parce que le monde, bien sûr, est dans cette ouverture-là et cette recherche-là. Quoi. Et donc, on ne peut pas dire que l'on réponde directement à un besoin, si vous voulez. Moi, quand je travaille sur un théâtre, je fais des théâtres historiques, des théâtres neufs. Bien sûr, je fais, comme mes collègues, un travail d'analyse, de compréhension de comment les gens travaillent. Mais je suis obligé de me dire aussi, construire, c'est construire pour le temps. C'est construire pour des gens qui vont changer. C'est construire pour une durée beaucoup plus longue que celle de l'usage auquel on pense. Moi, j'ai la conviction que je suis déjà en retard par rapport à l'usage, donc je suis le plus discret possible. Mais je me dis aussi, le metteur en scène qui est là et qui joue sa conviction de faire et de vouloir, je sais que dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera un autre metteur en scène qui aura un tout autre besoin. Hein ? Et moi, il m'est arrivé déjà de construire des théâtres et, depuis 20 ans et je vois différents metteurs en scène les utiliser. Je peux analyser, si vous voulez, comment la transformation et la prise de lieu se fait. Elle est totalement différente. Et c'est assez passionnant et c'est très bien. Voilà. Et donc cette évolution-là fait que, d'une certaine manière, on doit être à l'écoute, mais on doit aussi dire, écoutez, on fait un objet social, un lieu social qui aura une durée plus longue que la seule expression artistique dans laquelle on est. C'est toute la difficulté. Comment ça s'exprime pour Seth ? Alors, comment est-ce que tous ces flux, parfois contradictoires, se retrouvent solutionnés dans un temps présent dans le bâtiment de Seth ? Alors, ils sont solutionnés à 7 dans le sens où on a d'une part un théâtre très très bien construit en 1900 par un architecte roux qui... En retard sur son temps, mais pas mal. Eh bien oui, c'est assez étonnant. En retard parce qu'il a eu l'idée très simple, je vais faire un bâtiment très bien construit, très solide, très logique, très rationnel. Et je vais bien sûr donner le plus d'espace possible, c'est-à-dire grand plateau, grande salle, grand dégagement. Hein ? C'est ce qui fait que les Sétois sont émerveillés parce qu'ils ont un théâtre plus grand que leur ville. Mais donc, ils créent une dimension, si vous voulez, qui fait que la transformation et l'exploitation est possible. Et qu'à là-dedans, à l'intérieur, tout peut se faire, si vous voulez. Mais si vous êtes trop à l'étroit, trop serré, vous êtes coincé, vous allez étouffer, vous allez crier contre le théâtre historique. Quoi. Là, on a cette largeur qui est donnée. Deuxièmement, on a pu créer une petite salle complémentaire en creusant dans les dessous et en trafiquant un peu dans les sous-sols qui sont en dessous de la mer, hein, parce qu'on est au bord de l'eau. Alors, je raconte dans le livre des choses épiques, j'ai eu une interdiction de le faire parce que je suis en zone inondable. J'ai expliqué qu'est-ce que c'est une zone inondable qui est en dessous de la mer. Et j'ai eu le fonctionnaire au téléphone, il m'a dit « Ah, je dois regarder ce que... Voilà. » Alors après, je lui dis, pour le calmer, je dois pomper. Oui, oui, pomper, voilà. Mais c'est de cet ordre-là, Shadok, quand vous travaillez. Shadok, voilà, à 7. Voilà, Shadok. Et donc, on a une petite salle basse, on a pu faire une salle de répétition dans les greniers. Bref, on a creusé à l'intérieur, tout en respectant, si vous voulez, la forme, l'organisation historique. Mais finalement, la leçon de ça, eh bien, c'est qu'on a eu un ancien architecte, 1900, qui a eu l'intelligence de faire de l'architecture, en clarté, en rationalité et en logique, en n'essayant pas de se prendre pour un génie du siècle, en imitant les canons de l'époque, en faisant très bien fonctionner son plan, et du coup, cet élément-là peut se transformer et peut avancer, si vous voulez. Le drame actuellement, c'est qu'on a des architectes qui veulent se prendre toujours pour des génies et qui n'essayent pas de simplement bien organiser les choses et le plan
qui est la principale base de nos projets. Quoi. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage de CET, c'est que c'est un lieu dilaté. Et puis, pendant le chantier, on a eu l'occasion de récupérer un chai, d'y installer un théâtre provisoire, de faire une expérience hors les murs qui a été très, très productive. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui revient assez souvent, hein, cette idée du provisoire, du mobile, de quelque chose qui est itinérant. Dans ces moments de chantier, il y a presque un autre théâtre qui s'invente à l'extérieur, en dehors du lieu. La grande aventure des théâtres, quand on les rénove, c'est qu'à un moment, ils changent de leur endroit. Vous savez, c'est étonnant de voir tous les gens qui travaillent dans les théâtres. Ils se sont installés, ils ont creusé les murs, ils se sont installés dedans. Et quand vous les arrachez à ce lieu-là, pour eux, vous arrachez leur vie, quoi. Et ils ont très peur de ce qu'on va leur rendre. Ils sont effrayés et ils reviennent timidement. Ah, ça n'a pas trop changé, ça va, je vais trouver. Enfin, ils retrouvent leur coin. Mais construire un coin dans un théâtre, comme dans un atelier, comme dans une agence, comme dans une usine, ça prend 5 ans, 10 ans. Il y a une certaine corrosion de la population dans les murs qui fait partie de l'architecture et qu'il faut favoriser, qu'il faut prendre en compte, quoi. Et si vous faites une architecture trop contraignante, ce phénomène ne se passe pas, quoi. Et alors, vous avez observé la prise de coin de l'équipe au Théâtre de Sète ? Oui, c'est toujours une observation un peu douloureuse parce qu'on s'aperçoit qu'on se trompe tout le temps. On s'aperçoit qu'ils font différemment de ce qu'on avait pensé. C'est pour ça que je milite pour beaucoup d'humilité et que les gens sont inventifs par rapport à leur manière. Voilà. Ils sont tellement inventifs qu'on va leur donner la parole. On a devant nous une bonne grosse demi-heure pour que vous puissiez participer. Vous êtes beaucoup plus nombreux que tout à l'heure. À cette discussion, parmi vous, il y a forcément des gens qui vont au théâtre, qui ont envie de construire des théâtres, qui sont spectateurs de théâtre, directeurs de théâtre peut-être. Qui prend la parole en premier ? Nous n'avons plus de salive. C'est évidemment très difficile, comme nous avons été bavards, mais vous êtes spécialement silencieux. Je sais pas, on leur pose des questions peut-être. Sinon, on pourrait. Mais on leur pose des questions, non, mais je ne sais pas. Sinon, j'ai une question pour Xavier, éventuellement. Ah. Je peux me transformer en public. Tu n'as pas dit, Xavier, en quoi un théâtre à l'italienne a peut-être plus de résistance qu'un autre type de théâtre. Tu voudrais commenter ça ? Puisque c'est un théâtre à l'italienne. Oui, effectivement. Il y a un sujet... Alors, il y a deux réponses à cela. Le théâtre à l'italienne fixe dans notre culture, dans notre tradition occidentale. Hein, on est dans le théâtre, on n'est pas dans le théâtre asiatique, dans le théâtre, il y a toute forme de théâtre. Il fixe d'une certaine manière un rapport entre les spectateurs, entre les systèmes d'entrée, entre le cadre qui forme l'image, la position de l'œil, la position de l'écoute, la manière d'être ensemble. Il fixe une certaine convention dans laquelle nous baignons, qui fait partie de notre culture, et dans lequel, justement, une certaine contestation, une certaine liberté est possible. Hein. Et moi, je me souviens m'être engueulé avec la Vaudan parce qu'il avait peint en noir le cadre de l'Odéon. Bon, puis après tout, il avait bien le droit de peindre en noir le cadre de l'Odéon, qui est un cadre doré qui faisait briller ses projecteurs. Mais il était dans son rôle de metteur en scène, de dire « je transforme le lieu ». On connaît tous les textes, les écrits, il faut lire les très beaux livres de Peter Brook, enfin, écrits par ses collaborateurs, Jean-Guy Leca, qui s'appelle « Théâtre circulaire », enfin « Le Circle », où il montre qu'à chaque fois, il réinvente son lieu. Donc, je pense que le théâtre à l'italienne, le théâtre traditionnel qui s'est figé à peu près en 1850 dans notre culture, a encore cette capacité d'être transformé, contesté, bouché, parce qu'il donne certains éléments et on peut prendre la contre-position. Hein ? Parce que si on vous donne un théâtre complètement libre, complètement ouvert, vous ne vous opposez à rien, vous reconstituez votre propre forme, vous comprenez ? Alors que dans notre tradition aussi, le fait de pouvoir nier, de dire non, je suis contre ça et de le montrer dans l'espace, c'est déjà une prise de position artistique qui est très forte, quoi. Ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point qui est plus délicat à expliquer, mais qui... J'arrive rarement à convaincre là-dessus, mais j'essaye d'expliquer ça. C'est un rapport au décor et au faste et à la beauté du lieu qui fait que, pour moi, la richesse de la forme, je dirais presque la richesse de la langue, de la culture classique, je ne suis pas un classiciste farouche, mais... permet justement, dans notre position à nous, de prendre cette distance et d'y intégrer tous les textes et tous les rapports.
C'est une notion, c'est une contradiction, c'est un paradoxe que très peu de gens comprennent, mais vous êtes peu nombreux, donc réfléchissez bien, vous allez comprendre. On a tous haï les Alexandrins. Je ne suis pas du tout de ceux qui ont haï les Alexandrins. Moi non plus. Bon, ben ça va, on est tous d'accord. Vous avez tous adoré les Alexandrins. L'Alexandrin est une contrainte, enfin si je pense à la langue classique, est une contrainte apportée à la langue, hein, et tant mieux si on est sorti de l'Alexandrin. Et en même temps, l'Alexandrin, si vous voulez, permet, alors c'est pas que l'Alexandrin, c'est toute la stratégie, tout le système du texte, oblige à une transformation de la pensée, une transformation de la situation qui amène à faire ressortir les problèmes et à faire ressortir les points forts. Vous comprenez ? C'est de comprendre que un espace qui a certaines, qui définit ses règles, qui d'une certaine manière désigne ses règles avec tellement de force, permet son opposition. Alors que l'espace libéral, où on vous dit je vous ai fait le super studio 52 de long, 50 de large, 60 de haut, tout en noir, tout bouge, tout se transforme, qui est un théâtre utopique des années 60, qui s'est construit et qui se construit maintenant, mais on les fait plus petits simplement parce qu'on n'a pas l'argent, fait qu'en sorte, finalement, vous reconstruisez à chaque fois un théâtre, et qu'est-ce que font la 90% des comédiens, j'espère qu'il n'y a pas de comédiens ici, de metteurs en scène, ils refont un théâtre frontal. Hein, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ne se servent pas de cet outil qu'ils ont réclamé de tant et plus. Et donc, pour moi, le point fort justement de ces théâtres qui montrent la convention, c'est qu'on peut la contester. C'est ça que je veux faire comprendre. Hein, et que c'est pareil pour toute l'architecture et c'est pareil pour la ville. C'est-à-dire que vous affirmez des principes, vous faites des choix, et ces choix peuvent être détournés par les usages. Mais si vous faites croire aux gens, c'est tout libre, vous faites comme vous voulez, placez comme vous voulez, débrouillez-vous, finalement, il n'y a pas d'opposition possible qui se déclare. Comprenez ? Est-ce que ça va aussi pour le public ? Est-ce qu'il y a dans la contestation possible offerte par un lieu qui dit ses règles franchement, une invitation pour le public à être un autre spectateur ? Parce qu'on a beaucoup parlé de ceux qui font le théâtre, on a beaucoup parlé de ceux qui les bâtissent, je voudrais moduler parler de ceux qui les regardent. Moi, je suis aussi un fanatique du théâtre construit dans des salles noires où tout peut être inventé. Hein. Je pense qu'il faut toutes les formes. Mais je pense que le théâtre de convention classique a cette force et qu'effectivement, d'être transporté dans un décor qui est complètement irréel, maintenant encore plus irréel pour les gens de notre époque, pour des jeunes, quand vous les amenez à un théâtre, ils disent « mais qu'est-ce que c'est cet endroit ?» Et d'une certaine manière, la force du lieu les transporte dans cette capacité à voir tout à fait autre chose sur le plateau. Vous comprenez ? Ils sont sortis du réel. Et moi, je crois que c'est cette force des lieux historiques à nous sortir d'un réel pour aborder l'imaginaire et après y revenir... à notre époque. Raphaël Magrou. Oui, en réaction par rapport à votre question, il arrive qu'il y ait des metteurs en scène, je vais citer Joël Pommerat par exemple, qui dans un lieu a priori neutre, une boîte noire, réarchitecture intégralement, c'est-à-dire intègre dans sa scénographie l'espace du spectateur. Et donc de fabriquer véritablement soit un dispositif circulaire, soit un face-à-face, soit... Et donc, c'est de fait, on se retrouve avec cet espace qui est au service du spectacle, et à l'intérieur, le metteur en scène avec son scénographe peut réarchitecturer, mais intégralement, le lieu, puisque évidemment tout l'espace peut techniquement être au service du spectacle. Aussi, je voudrais rebondir sur la question de Yann en donnant une anecdote sur le théâtre de Liège. Par rapport au patrimoine, il y a moyen de donner à voir un patrimoine qui aurait été respecté tout en l'adaptant à des considérations de création contemporaine. Je m'explique. Au théâtre de Liège, ils se sont retrouvés avec un volume de salle qui était, en fait, la salle, c'était un parterre, mais bon, il y avait un petit balcon et après des moulures et simplement un cadre de scène qui était carré et qui n'était pas du tout adapté à la relation que les architectes avec l'équipe du théâtre voulaient mettre en place puisqu'ils ont fabriqué une salle en gradin qui ne touche pas du tout les parois, donc qui respecte le patrimoine. Et donc restait la question de ce cadre de scène qui n'allait pas du tout dans ce rapport et dans le format générique, disons, pour accueillir des spectacles, puisque l'intégralité de la scène et de la machinerie avait été totalement refaite. Et les architectes ont fait un tour de passe-passe.
c'est ce que j'ai appelé transgresser, parce qu'il y a une forme de transgression, puisqu'on a cette moulure autour du cadre de scène. Eux, ils ont élargi le cadre de scène, donc ils ont démoli les parties latérales, et ils ont refait les moulures, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir ce format carré encadré, c'est un format rectangulaire, mais le spectateur ou le visiteur peut retrouver ces moulures et avec l'élément qui vient aussi, le blason, disons, qui vient marquer le lieu. Donc c'est ni vu ni connu. Ils ont réussi, alors évidemment c'est en accord avec l'équivalent des monuments historiques sur place, qu'ils ont pu, disons, mettre en place ce dispositif sans dénaturer l'esprit du lieu, mais en l'adaptant aux créations contemporaines. Moi, je suis un peu têtue et un peu curieuse. Xavier Fabre demandait s'il y avait des comédiens ou des metteurs en scène dans la salle. Est-ce qu'il y en a ? Vous voulez dire dans la cour des papes au Festival d'Avignon ou tout le Festival d'Avignon et enfin, tous les différents lieux. Tout ce que lieux. Le Théâtre d'Avignon a pu, et d'autres, le Festival d'Avignon, apporter au théâtre, il a beaucoup apporté, comme plein d'autres festivals, mais est-ce que ça a vraiment changé la conception de l'architecture ? Est-ce qu'il y a des cas où on peut dire que tous ces festivals ont apporté quelque chose à la conception de l'architecture. De manière plus pérenne, vous voulez dire. En dehors de ce moment éphémère du festival. Comme on cherche, oui. Comme on cherche. Oui, il y a des expériences depuis le temps d'Avignon qui ont marqué l'histoire du théâtre et qui se retrouvent en termes de recherche de liberté dans les formes de construites actuelles. Hein. La forme qui a été installée, il y a eu trois installations différentes dans la grande cour, dans la cour du Palais des Papes. Hein. Il y a eu trois dispositifs, mais qui sont à chaque fois des dispositifs frontaux qui ont une certaine difficulté par rapport à la géométrie de l'espace à s'implanter, mais qui pérennisent d'une certaine manière le système frontal en recherchant un entourement, en recherchant une espèce de quelque chose qui soit pas simplement cette barrière, le plateau et la pente. Et cette expérience-là a travaillé tous les scénographes, que ce soit Percé quand il avait travaillé au début, que ce soit Fabre et Perrotet, que ce soit plus récemment Guy-Claude François qui a fait l'installation. Ce sont des gens qui retravaillent dans d'autres lieux de théâtre et qui ont travaillé à Avignon. Mais il y a aussi à Avignon l'intervention dans des lieux tout à fait autres, les cloîtres, les églises. Hein, qui fait que c'est un dispositif très différent. La cour du lycée. Les cours de lycée, la carrière de Boulbon. Voilà. Donc c'est répandu à partir d'Avignon et assez tôt, en fait, dès le temps de Villars, une liberté d'intervention et de transport du théâtre dans des lieux tout à fait nouveaux. Et je pense qu'effectivement, l'intérêt qu'on a pour d'autres lieux que le théâtre a pris forme et validation à Avignon. Et pas que, on peut dire que en fait, le moment du festival, c'est assez intéressant dans cette question-là, c'est que le moment du festival, en tant qu'il est un lieu éphémère et presque, ça rejoint aussi les moments où les théâtres sont en obligation d'être dans la rue, autre part, comme le festival est éphémère et qu'il n'a pas d'obligation à se pérenniser, je pense que c'est un lieu d'expérimentation par essence, en effet, enfin, même Aurillac, il y a d'autres endroits qui déclenche, je pense, des expérimentations théâtrales. Oui, d'autant que c'est Avignon, c'est aussi une période, puisque c'est la période estivale, où les compagnies sortent des lieux institutionnalisés, sortent des théâtres, et donc expérimentent ces différents espaces qui ont été cités pour tester aussi des mises en scène, créer ou véritablement fabriquer ou inventer des spectacles. Après, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a plus d'un metteur en scène ou chorégraphe qui se sont cassés les dents sur notamment la cour du Palais des Papes, où c'est très impressionnant et très difficile de composer avec. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée qu'on peut réinventer le théâtre et les lieux dans des moments très courts et très intenses. Et j'ajouterais bien, par exemple, les fêtes en général, ou même les expositions universelles. On voit bien que là, on construit des choses qu'on ne construirait jamais ailleurs. Parce que c'est court.
Parce que c'est un temps court, il y a des moyens exceptionnels et on sait qu'on va avoir une quantité de public complètement phénoménale. Et peut-être aussi la tonne de questions que vous décriviez tout à l'heure, Xavier Frab, à savoir que je construis pour un temps donné, pour des metteurs en scène qui sont ceux-là pendant 10, 15, 25 ans, mais je construis aussi pour ceux qui seront là dans 125 ans, sont des questions qui n'assaillent pas les personnes qui construisent pour 3 semaines. Oui. Forcément, la liberté est plus grande. Les spectacles ont une vocation à se déplacer dans différents lieux. Est-ce qu'il y a eu des utopies ou des expérimentations où justement le théâtre a suivi les spectacles et est devenu mobile lui aussi ? Moi je pense au Tréteau comme ça de France, mais c'est... Non mais il y a beaucoup. Ah oui, il y en a plein. Oui, c'est l'idée qu'on construit l'enveloppe autour, mais alors donc c'est des... Alors c'est une forme de confort et de précision, parce qu'on se dit, on construit un outil complet à ce moment-là. Et il y a une cohésion ou une unité vraiment extrêmement forte entre le spectacle et son espace. Ça, c'est génial. Après, c'est une logistique, parce que ça veut dire qu'on va transporter du lourd. C'est plus seulement des décors, là, c'est une enveloppe. Bon, alors vous pouvez faire des enveloppes légères, et là, on bascule dans le monde du cirque, quasiment. Mais le cirque, c'est pas très confortable, par exemple, d'un point de vue acoustique, etc. Ça peut être perturbé très, très facilement. Donc oui, il y en a plein. Vous pensiez à oui, quoi Mais moi, je pense que toute l'histoire du théâtre naît d'un système nomade. C'est-à-dire que toute la fondation du théâtre se conçoit à partir d'un déplacement. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance, et tout juste, plutôt le XVIe siècle, qu'il y a un endroit où des troupes s'arrêtent. Après avoir joué un peu dans les cours de château, on fonde les cours de château, un théâtre un peu plus pérenne, et puis après on construit un véritable théâtre pour ces troupes, pour qu'elles y résident ou qu'elles y reviennent. Toute la tradition de tout ça, mais de manière mondiale, c'est le forain. Enfin, ça bouge, quoi. Et donc des gens qui se transportent avec leurs décors, leurs costumes, leurs éléments d'installation et de tréteau, quoi. Et cette fibre-là n'a jamais cessé. Vous avez partout des tentatives, des recherches, et dans les théâtres utopiques, il y a toute une grande part de théâtres qui sont sur le système et la salle que l'on installe. Les Tréteaux de France, effectivement, à un moment, avaient un très très grand chapiteau qu'ils installaient, qui n'était pas tout à fait une toile, mais un peu des planches de bois, qui était quand même un très très grand théâtre. Donc cette tradition perdure, et elle fait partie de beaucoup de recherches actuellement pour se dire on déplace le lieu. Mais il y a un peu une raison économique, c'est qu'à un moment, on s'aperçoit que le lieu fixe, et c'est ce qui milite pour le théâtre historique ou les théâtres organisés, fait que sur place, on trouve quand même les éléments, les éclairages, les sécurités, les équipes et tout ce qu'il faut pour que le théâtre ait lieu. Parce qu'il faut quand même, pour qu'un théâtre ait lieu, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on peut faire du théâtre avec n'importe quoi, mais à un moment, quand on écoute les gens de théâtre, il leur faut beaucoup de choses et c'est normal. Donc c'est complexe. C'est aussi un rendez-vous, c'est-à-dire qu'un lieu fixe, c'est aussi un lieu qui est identifié dans la ville, qui est un lieu où on sait qu'on peut se retrouver et qui, en dehors de périodes festives, etc., est aussi un endroit où on sait qu'on peut faire du théâtre ou aller voir du théâtre ou assister à du théâtre. Oui, et puis le lieu même du théâtre dans la construction de la ville est un lieu essentiel dans toute notre civilisation et même d'autres civilisations africaines ou asiatiques. L'endroit qui est un lieu où se transmettent les histoires... C'est un lieu fondamental pour la fabrication de la collectivité. Et donc, c'est pour ça qu'une certaine manière, après une guerre, on refait les ponts, les routes et on refait les théâtres. Parce que c'est bien sûr, on fait d'autres choses, mais le théâtre est un élément indispensable et essentiel à la vie collective, quoi. Et la place du théâtre dans la ville est un élément déterminant qui explique aussi parfois sa permanence, sa force, sa présence. Et n'oublions pas que nous parlons tristement après des jours où un théâtre, alors c'est un lieu de musique, mais le Bataclan a été attaqué et que c'est dans son cœur qu'une ville a été attaquée aussi, plus loin que le symbole. C'est une cible, effectivement, hélas. Il y avait une autre question ? Ah non. Non, je pensais à un exemple. Enfin, je me disais qu'il y a aussi une tension intéressante dans l'idée d'avoir des théâtres mobiles, c'est que donc évidemment il faut à ce moment-là un théâtre le plus léger et le plus flexible possible, et en même temps le lieu théâtral par définition c'est un endroit où on va installer des gens, et donc ça, les gradins ça pèse et il faut accrocher des choses. Alors on a, y a un cas que j'aimerais bien citer, c'est un architecte et ingénieur d'origine allemande qui vit en France depuis des décennies, qui est Hans-Walter Müller,
et qui a fait une pirouette sur ce thème-là, puisqu'en fait, il construit depuis des années des théâtres gonflables. Donc, c'est l'économie maximum, c'est-à-dire ça tient dans des sacs à dos. Alors, il y a des tas de compagnies qui lui passent des commandes, parce que là, pour le coup, il répond sur le problème de la légèreté de la logistique de manière merveilleuse. En gros, il faut juste une soufflerie, et après, assurer un sas pour pas que ça se dégonfle quand les gens rentrent. Mais une fois qu'on a résolu cette chose-là, on arrive à une enveloppe gigantesque sur laquelle on ne peut pas trop accrocher. Donc, des fois, on reconstruit des portiques. Voilà. Je voulais citer cet exemple. Je voudrais juste apporter un complément. Effectivement, il y a cette question d'itinérance du théâtre, puisque théâtre, c'est à la fois le contenant et le contenu. Mais cette itinérance, ou en tout cas cette invitation vers un ailleurs, c'est aussi on peut aller dans un lieu voir un spectacle, retourner pour voir un autre spectacle, et le lieu a été complètement transformé et n'a plus du tout le même aspect, la même tonalité, et de ne pas retrouver, même si on a franchi la même porte, de ne pas retrouver le même lieu, mais d'être invité à une sorte de voyage immobile en allant dans ce même théâtre, mais en se retrouvant à une autre époque, avec une autre configuration, avec un autre rapport aussi aux comédiens ou aux performeurs. Et c'est aussi, je pense, tout l'intérêt d'un lieu de spectacle, c'est d'avoir cette capacité à nous extraire de notre réalité, de notre quotidien, et nous emmener vers un ailleurs. Enfin, Michel Foucault appelle le théâtre une hétérotopie, comme bien d'autres lieux, et c'est le principe d'avoir dans un même lieu la possibilité de transposer des ailleurs, autant d'ailleurs que possible, qu'imaginable, mais voilà, sans avoir à bouger de son fauteuil quasiment. Donc il y a aussi cette notion de cette dimension spatio-temporelle qui n'est pas forcément ce déplacement physique du théâtre, mais qui est plus particulièrement ce déplacement mental pour le spectateur en allant au spectacle. Donc, vous avez parlé en fait de l'évolution et l'engouement vers les lieux neutres et la réhabilitation quand on pense de la cartoucherie ou alors le centre de la danse à Pantin ou même les Zéniths. On a de plus en plus de machinerie neutre pour pouvoir tout faire et on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire, mais on veut pouvoir tout faire. Donc, est-ce que vous pensez que justement les utopies à venir seraient un retour au cadre un peu forcé, contraint, avec toutes les normes et toute cette machinerie qui pourrait devenir encore plus lourde ? Et de chercher un nouveau justement cadre rigide pour venir contester, parce que maintenant on est dans la mobilité, dans la technologie, et on a perdu ce cadre-là. Donc quelles seraient les utopies un peu à venir si cette fois-ci on essaye de se placer en avant ? Est-ce que ce serait un retour à la norme, un retour à la rigidité du cadre ? Alors effectivement, il y a une tendance lourde à la grosse machine maintenant, et tous les grands lieux se construisent avec une mécanisation, une technologie extrêmement abondante, très coûteuse. Bastille, il y a 30 ans, il fallait 30 machinaux pour faire bouger la cage de scène. Maintenant, il faut 10 machinaux, mais 20 ingénieurs. Cette tendance, elle est en même temps indispensable pour des très grands lieux et nécessaire parce qu'il faut que dans des lieux de création, pour des grandes formes théâtrales ou d'opéra ou de concert, on ait cette technique. Donc, il ne faut pas l'abandonner ni la critiquer. Mais effectivement, il faut aussi l'interroger parce qu'on va vers des formes de spectacle de plus en plus fortes, de plus en plus lourdes, où la technologie presque corrompt l'effet d'intimité, l'effet de message, l'effet de transition que l'on veut paraître. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus, on revient vers des petites formes. On revient vers du plan centré, hein, qui est une forme qui revient, le théâtre circulaire, qui a été longtemps abandonné, qui nous revient par le cirque, mais qui revient aussi pour des formes théâtrales. On revient vers des formes de lieux ou des présences de théâtre dans des lieux tout à fait inhabituels que l'on installe et que l'on adapte, où la technologie, d'une certaine manière, est en retrait par rapport à l'effet de qualité et d'ambiance transformable du lieu. Donc ça, c'est des tendances qui existent aussi parce que le format du spectacle est en train de changer. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'énormes machines de production qui sont faites par des grands groupes. Vous savez que Vinci, Bouygues, actuellement, rachètent des salles et construisent du spectacle parce qu'ils font aussi de la télé. Hein. Ils font aussi du téléphone et ça marche avec. Donc il y a une numérisation du spectacle qui est en train de se produire sous nos yeux, sans qu'on s'en rende compte, mais qui est massif et avec des investissements monstrueux.
Hein. Et puis, des gens qui se débrouillent à faire du théâtre comme ils aiment, dans des petites salles, dans des petites lieux, dans des librairies, voilà, à côté, ou dans les scènes nationales qui peuvent encore exister, où là encore, les communes financent encore du spectacle. Donc, ces deux transformations existent. Moi, je crois qu'il faut de toute façon accepter cette diversité, parce que c'est celle de notre monde. Mais par rapport à l'architecture, je suis convaincu que l'on revient maintenant à des formes de lieux plus courts, plus restreints, plus réduits, où effectivement la technique, je le souhaite, existe et présente et forte, mais est en retrait. Mais ce n'est pas... c'est plutôt un statut que l'on retrouve en France, en Italie, peut-être en Espagne, mais ce n'est pas dans le reste du monde où la technologie domine et où cette tendance maximaliste, où on offre tout ce qui peut être fait aux comédiens et est en force. Quoi. Yann Rocher, peut-être pour conclure sur cette question des utopies, la question était de savoir quelles seraient les utopies du futur quand vous avez fait tout un panoramique historique de ces utopies théâtrales. Ça ouvre sur quoi à la fin de ce corpus de 90 théâtres ? C'est une question piège parce que il y a un moment de suspens en fait que dans l'histoire, je l'assume comme ça dans le livre. Peut-être si vous permettez, je veux juste compléter en fait parce que c'est une forme de peut-être de réponse à votre question en même temps. C'est que à propos de la machine, moi ce qui me gêne dans les nouvelles salles très techniques, c'est qu'en fond les architectes parce que bon, parfois ils sont connaisseurs, mais ça demande beaucoup de travail, peut-être de s'approprier toutes ces mécanismes. En fin de compte, les mécanismes qui sont cumulés dans ces espaces ne disent pas grand-chose d'autre que simplement la technique. Et je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se dit, je suis dans une machine, et j'ai envie de dire, quelle machine ? Parce qu'en fin de compte, on peut faire plein de machines différentes. Et peut-être que c'est même un thème qu'on pourrait s'approprier. Et donc, le regret que j'ai, peut-être, dans ce simple usage ou usage simpliste de la technique telle qu'elle est demandée, c'est qu'elle n'est pas assez appropriée par les concepteurs. Alors bon, oui, il y a les questions de coût, hein, c'est-à-dire qu'on prend des standards de l'industrie, des mécanismes qui sont donnés sur catalogue et tout ça. Mais je trouve que ce qui est triste dans cette affaire, c'est que ça ne dit rien d'autre qu'un besoin technique, et en fin de compte, on ne voit que de la technique. Alors que le théâtre disait autre chose, et notamment, par exemple, ce que disait Xavier sur l'optique tout à l'heure. Voilà. Quant à, donc, à votre question sur, au fond, où va cette histoire, le point peut-être surprenant de l'histoire des théâtres utopiques, c'est que tels qu'ils ont été investis par ces architectes, on voit que c'est-à-dire des bâtiments, quand on se saisit du bâtiment théâtre pour imaginer quelque chose d'utopique, on voit que c'est cyclique, donc ça va, ça vient, qu'il y a des moments de l'histoire où il n'y a pas du tout d'utopie, ça s'explique bien, et puis tout à coup il y a des retours très très forts d'utopie. Ce qui est surprenant, c'est que, à vrai dire, voilà, tel que ça a été investi par ces architectes, à partir du milieu des années 80, j'ai eu du mal à construire un autre chapitre qui aurait cette cohérence, cette force d'invention que j'ai pu identifier dans d'autres périodes. Donc c'est surprenant, si vous voulez, scientifiquement, parce qu'on se dit, est-ce que je rate quelque chose ? Est-ce que je ne vois pas les projets ? Ou est-ce qu'ils ne sont pas accessibles encore ? Ou est-ce que je ne suis pas au bon endroit ? Enfin, voyez. Ou alors, peut-être que l'utopie s'est déplacée. Peut-être qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'utopie de l'architecture théâtrale, elle ne se situe pas plus au niveau des bâtiments. Moi, j'aimerais bien entendre mes collègues, leur point de vue là-dessus. Mais c'était un point surprenant. Donc, si vous voulez, d'un côté, j'ai assumé d'arrêter au milieu des années 80 ce parcours. J'aurais bien aimé continuer et de dire, d'une certaine manière, cette histoire n'est jamais finie. Et en même temps, voilà, mon propos, c'est quand même de dire, elle n'est jamais finie, puisqu'on voit bien que c'est cyclique et que l'utopie revient. Je pense qu'avec notamment la crise économique qu'on a connue là, on voit bien que l'engagement des architectes ou la foi qu'on peut avoir dans un métier tel qu'elle est, on va dire, structurée dans la société est assez ébranlée et que forcément ça génère, on va dire, du questionnement et l'invention de nouvelles pratiques. Je pense qu'on est dedans. Autrement dit, encore 4-5 ans et je vous fais un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Puisque la Tour Eiffel nous dit qu'il est 20h, je vous laisse peut-être répondre puisque vous étiez interpellé. Oui, c'est juste pour répondre à ça et à ce que dit Yann. Il y a un phénomène très intéressant qui se passe actuellement dans le théâtre, c'est que le théâtre se réapproprie les moyens du cinéma.
de toutes les technologies, les hautes technologies du cinéma. Alors que pendant très longtemps, le théâtre était le chaudron du cinéma, l'endroit où s'est construit la représentation, actuellement, il y a un retour de part, quand même, un effet de progrès technologique total, où on a des effets de lumière, des effets de cadrage, des effets de mouvement et de décor, des effets de manipulation de mouvement même d'éléments lourds, et puis dans le son, des expériences totalement tirées. Juste pour le son, tant qu'on y est, est-ce que vous pouvez remonter votre oui, micro ? Oui, pardon. Merci. J'aime pas les micros, moi, je trouve ça. Bon, par exemple, moi, je suis en train de travailler sur une petite salle historique où on installe une sonorisation spatialisée. Et sonorisation spatialisée, c'est-à-dire que vous entendez un vol d'oiseau qui traverse la salle comme vous l'avez au cinéma. Bon. Pas parce que c'est pour le fun et pour faire du cinéma, mais parce qu'il y a maintenant des compositeurs qui fonctionnent avec ça et qui fonctionnent en électronique et qui travaillent avec ces systèmes-là. Hein. Et donc, c'est très intéressant de voir que ces technologies de pointe, qui sont très discrètes, qui ne sont pas la grosse mécanique que l'on a des années 70, en fait, qui s'est développée, apportent peut-être aussi des éléments de renouveau du théâtre et peuvent être des facteurs de poésie. Ce n'est pas de la technologie contre la poésie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les opposer. Et donc, je pense qu'il y a un renouvellement et que s'il y a une utopie qui est en train de se former actuellement dans les lieux de théâtre, elle va nous surprendre dans des choses, des approches tout à fait différentes. Et ce que je pensais par rapport à ça, c'est que nous avons, dans toute notre période là, des 30 dernières années, perdu la spatialisation. Nous avons perdu la ville. Nous ne savons plus où nous habitons. Les gens ne sont plus attachés à un seul lieu, ils travaillent dans un endroit, ils vivent dans un autre, leur famille ou leur maison ou leurs rêves sont ailleurs. Il n'y a plus cet effet du rapport d'une communauté à un lieu, enfin, il s'est déconstruit, il est encore présent mais il est déconstruit. Et le théâtre fonctionnait sur cette construction des lieux, fonctionnait sur ce rapport des lieux. Et le théâtre d'une certaine manière va être obligé d'évoluer par rapport à ça. Alors on s'interroge, est-ce qu'on va suivre des pièces de théâtre par nos téléphones et qu'on va avoir une forme de dialogue ? Mais c'est possible aussi. Hier même, le musicien Flavien Berger proposait un rendez-vous sur Internet, 19h, 20h, 21h, pour une performance en ligne sur YouTube qui remplacerait son clip et qui serait une performance jouée. On s'est dit au bureau, comme au théâtre. Il y a une forme nouvelle qui s'inscrit, qui n'empêche pas les autres, mais qui s'inscrit, qui se développe et qui pourra se faire avec le théâtre aussi. Et qui, je pense, est étonnante. On est dans un lieu, il est l'heure qu'il est. Je peux juste poser une question qui est en relation avec ce que vous venez de dire. J'ai été intéressée par ce qu'a dit M. Fabre quand il a dit que dans la réalité actuelle que nous vivons, qui est une réalité de crise, parce qu'il y a aussi une révolution numérique, une révolution des technologies, une crise de société qu'on est en train de vivre, qui est radicale, dont on est dans un moment où on peut s'interroger sur l'évolution de la période politique que nous vivons. Or, le théâtre, vous l'avez tous dit, est un lieu éminemment politique, de rassemblement, de prise de parole, un lieu de responsabilité aussi. Et ce constat de dire qu'il y a d'un côté, effectivement, des lieux qui sont fortement dotés financièrement et qui sont l'espace d'un déploiement technologique de plus en plus exigeant et coûteux, et de l'autre côté, conjointement, et au fond, pour des raisons aussi de réalité politique, justement, des lieux qui sont des espaces de plus en plus intimes et modestes et où il faut trouver justement de nouveaux lieux puisque les lieux habituellement accueillants le sont moins puisque leurs programmations sont restreintes, leurs moyens sont diminués, etc. La question est pour moi, mais on parle d'utopie, mais de quelle utopie parle-t-on et peut-on parler aujourd'hui ? Quelle est cette utopie à inventer ou se loge-t-elle ? Voilà. Elle n'est plus tellement dans l'espace. Oui. Elle a du mal à être dans l'espace. Elle se pose cette question de l'utopie. Voilà, c'est ça. Et effectivement, cette question de l'absence de lieu et aussi de ce qu'est de ce que veut dire la transformation de la notion de communauté à travers cette émergence de réseaux de communication, d'une dématérialisation physique des lieux où on se réunit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est le lieu est-il encore un lieu ? Qu'est-ce que ça, en quoi ça enrichit le questionnement qu'on a sur ce qu'est un lieu de rassemblement, un lieu d'où l'on voit et d'où l'on regarde, d'où regarde-t-on aujourd'hui ? Voilà. Et ces questions, je ne sais pas comment. Non, mais c'est le fond de. Ouais, oui. J'espère qu'on a des portes ouvertes jusqu'à 22 heures. Ce lieu-là, qu'est-ce que c'est ? Le théâtre, comment ? Le lieu physique, est-ce que c'est encore actuel ? Et comment l'architecte, avec ce que ça veut dire de questionnement justement sur la construction, mais la construction du point de vue symbolique.
Parce qu'on est dans des symboles. Le théâtre, c'est un lieu symbolique. Qu'est-ce qu'on représente quand on bâtit? Ce que vous n'avez pas dit, mais qu'on peut penser, c'est que la force du théâtre, c'est de pouvoir être ensemble au même endroit. Justement, au moment où, par les réseaux, les interfaces et tout ça, tout, on va dire, le nid. Alors, peut-être que ça persiste. On peut faire le postulat, et on verra plus tard, que peut-être que ça perdurera par cette propriété de pouvoir être là. Alors, il y a, je pense. Il y a. Comme quoi? Comme quoi? Mais en quoi est-ce qu'ils sont moins rassemblements que des lieux matérialisés? Non, mais Ah bon? Il y a les deux. Oui. Alors moi je pense qu'il y a les deux, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a une dématérialisation qui fait que les lieux perdent de leur valeur d'une certaine façon, parce qu'on peut communiquer en dehors des lieux et sans être ensemble. Ça mériterait et en même discuter. Temps, ça mériterait vraiment d'être discuté. Je pense pas que la dématérialisation des communications dévalorise les lieux de rassemblement. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et en même temps, pour pallier à ça, il y a un besoin énorme de rassemblement. Énorme. Et toutes pour pallier ou les pour salles de spectacle, les salles de spectacle sont pleines actuellement. Les salles de mais si, regardez les statistiques. Pas ces jours-ci. Il y a une crise de fréquentation. Moi, je ne le constate pas partout. Si on regarde l'ensemble de l'offre de spectacle, alors bien sûr, il y a des lieux qui se défont, mais l'ensemble fait qu'il y a une croissance. Et puis, il n'y a pas que le théâtre qui rassemble. Il ne faut pas non plus... là, on parle théâtre, mais je pense qu'il y a de plus en plus de lieux. Les gens ont besoin de places, de rues, de lieux de rassemblement qui se créent d'une certaine manière historiquement et pas que spontanément et qui sont très forts. Moi, je suis aussi à un moment donné où je m'interroge sur mes pratiques, sur le positionnement du théâtre. Donc, tout d'un coup, je note quand même qu'il y a quelque chose qui semble facile et quelque chose qui a toujours, qui a de façon récurrente, pu sembler difficile d'accéder. Moi, j'ai travaillé au théâtre de Bobigny, par exemple, plutôt de Bobigny, justement en relation publique. Donc, je sais quelles sont les problématiques qui se posent dans un certain nombre de lieux pour faire venir du public en dehors des problématiques de mode, de programmation internationale séduisante. Et là, est-ce qu'on n'est pas dans des questions qui presque dépassent le lieu en tant que lieu physique architectural? C'est-à-dire que nous, en effet, on a borné notre discussion à ne parler entre guillemets que des murs. On l'a dit, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les questions que vous posez, est-ce qu'elles n'ont pas raccord? Non, mais d'accord. Moi, je pense que les différentes formes survivent et vont survivre encore longtemps. Mais qu'on assiste à des déplacements, c'est sûr. C'est évident. Mais que le besoin d'une présence physique est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas perdu et même réclamé. Bien sûr. Et seul le théâtre nous l'offre. Voilà. Mais bon. Le lieu de spectacle de manière plus large. Oui. En France, spectacles. On a la chance aussi d'être très bien doté en termes de salles. On a un nombre de salles incroyable et avec des configurations très diversifiées. Donc de fait, pour aussi rejoindre sur la question des utopies, je pense qu'un metteur en scène ou un chorégraphe peut trouver dans les lieux existants, institutionnalisés ou hors cadre, matière à créer, à inventer. Et on l'a vu déjà dans les années 70, avec Peter Brook, avec Aaron Nouchkine, et certaines salles aussi ont provoqué des réactions, des relations entre le public
et un spectacle, je pense au Théâtre de la Ville, qui a été fait en 68, qui, du point de vue, qui a porté la danse notamment, parce que la configuration de sa salle favorisait effectivement ce rapport. Mais je pense qu'il faut aussi se questionner sur le rôle de l'architecte dans la société actuelle, par rapport aux exemples que Yann cite et décortique dans son ouvrage. Quasiment systématiquement, on a un architecte, mais aussi c'est porté par évidemment une utopie, mais une idée commune avec un metteur en scène, ou en tout cas, où l'architecte a un propos sur le lieu de spectacle, et n'est pas simplement à réaliser un lieu qui soit qu'au service d'eux, mais qui dépasse cette idée. Et moi, je me demande si la question des utopies, je ne suis pas sûr que ça vienne de la part des architectes, parce que ils sont dépendants de la commande publique, des budgets, des programmes. Et moi, je vois, quand je vais voir des spectacles, dans des lieux de spectacle, c'est plutôt les metteurs en scène, les chorégraphes qui investissent d'autres lieux que la scène ou la salle, et qui viennent sous la scène, qui mettent le public et leurs comédiens sur la scène en même temps. Et la salle est vide. Enfin, on se retrouve avec ces appropriations qui, là, réinventent d'une certaine manière et proposent d'autres dispositifs. Après, à l'architecte, aux architectes, de pouvoir accompagner. Mais je pense que c'est toujours, et le théâtre en l'occurrence, mais en architecture en général, c'est la rencontre entre un concepteur, un architecte, un maître d'œuvre, et un commanditaire, un client ou un maître d'ouvrage. Donc c'est aussi dans cette relation que le projet peut, à mon sens, émerger, même au stade d'esquisse, puisque l'architecture de papier participe au même titre que les bâtiments à l'histoire d'architecture. Enfin, ton livre en témoigne, et c'est à mon avis très important. Mon rôle est de faire en sorte que nous terminions à l'heure. Alors, puisque nous sommes dans une bibliothèque, je vais vous laisser parler non pas de vos livres, dont on redonne rapidement les titres, Le théâtre sans fin, la transformation du théâtre historique de Sète, publié à l'Acte Sud, Théâtre de Liège en transparence, publié par le Théâtre de Liège et par Mardaga, et Théâtre en utopie, publié chez Actes Sud, mais parler d'autres livres que vous avez trouvés ici dans cette bibliothèque, à commencer par vous, Xavier Fabre. Mais je suis tombé sur le très beau petit livre d'interviews et d'abécédaires qu'une collègue, Isabelle Chéneau, a fait à partir d'un grand géographe français qui s'appelle Marcel Roncaiolo, qui est très peu connu et qui est quelqu'un qui a mêlé à la fois l'histoire longue des sociétés et l'histoire forte des villes pour montrer le rôle de la mémoire dans l'architecture et l'importance des lieux. Voilà. Donc je recommande la lecture de Roncaiolo, qui est quelqu'un qui est encore vivant, que j'ai pu interviewer sur le théâtre, et qui est un homme passionnant, qui rappelle que l'on aura toujours, que toute société aura besoin de lieux où il se retrouve. Est-ce que peut dire l'éditeur ? Pardon. Infolio, collection Archigraphie Poche. Merci. Voilà. Un conseil de lecture, deux conseils de lecture, c'est Noël. En fait, ce sont deux ouvrages, mais qui sont complémentaires l'un et l'autre. Pour l'actualité, c'est le catalogue de l'AUA, l'Atelier d'urbanisme et d'architecture, dont l'exposition est actuellement en cours ici à la Cité de l'architecture et du patrimoine. C'est un ouvrage sous la direction de Jean-Louis Cohen et de Vanessa Grossman. Et pourquoi l'AUA ? En fait, c'est parce qu'au sein de l'AUA, bon, c'est toute une équipe de sociologues, architectes, urbanistes, designers qui ont travaillé à partir des années 60 jusqu'au milieu des années 80 environ. Et c'est une communauté qui porte tout un ensemble de projets, certaines idées de la société. Alors il y a beaucoup de projets de logement, mais il y a aussi, et notamment il y a un binôme, Valentin Fabre et Jean Perrottet, qui ont construit un certain nombre de lieux spectacles, de théâtre, dont le Théâtre de la Ville, donc, qui pour moi, alors ça c'est un peu personnel, c'est parce que j'ai fait mon DEA sur le Théâtre de la Ville et le Théâtre de la Colline, et je trouve vraiment très bien et très intéressant de montrer ce travail-là, d'autant que ces théâtres sont, à mon sens, des marqueurs historiques dans l'histoire des lieux de spectacle, et on les a à Paris, et d'un point de vue à la fois morphologie de la salle et relation aussi à la ville, donc cette
la question de la place du théâtre dans la ville, ce que tu mentionnais. Et donc un autre ouvrage qui est une monographie sur Fabre Perrotet, donc architecte de théâtre, réalisé par Jean Chollet et Marcel Frédefond. Donc celui sur la monographie de Fabre Perrotet est aux éditions Norma, et le catalogue de la UA, c'est édition Dominique Carré et Cité de l'architecture et du patrimoine. Nice job. Et enfin, Yann Rocher, vous avez presque été de manière exponentielle, vous avez choisi le livre le plus lourd. J'ai pris un livre de poche, pour ceux qui ont des grandes poches. C'est pas le livre que j'avais prévu, et malgré la mine d'or qu'est cette bibliothèque, je voulais au départ prendre un livre que je trouve très drôle, et je trouve que c'est pas évident de faire rire en architecture. L'architecture qui fait rire, c'est un sujet impossible. Mais il existe un petit livre de Charles Jenks qui s'appelle Maison de rêve américaine, ou Maison de rêve de Los Angeles, et c'est toutes les photos des villas complètement délirantes, et il y a juste quelques phrases en dessous à chaque fois, et c'est vraiment très très drôle. Alors je me suis rabattu sur un livre que j'admire beaucoup néanmoins, qui n'est effectivement pas le plus petit. Eisenhower, c'est un scénographe américain qui est disparu il y a quelques années et qui, à un moment de break dans sa carrière, a obtenu une bourse pour aller en Italie. Et comme c'est quelqu'un qui dessine remarquablement bien, il s'est mis à redessiner les plus belles salles de l'histoire de l'architecture théâtrale. On voit un exemple là, généralement c'est à l'encre noire plutôt. Pourquoi un petit hommage ? Parce qu'après, tout le monde remontre ses très beaux dessins dans les publications qui sont venues après. Et donc c'est vraiment un travail magnifique, parce qu'à la fois on voit les lieux et en même temps ils dessinent les personnages. Enfin, les lieux sont en fonctionnement. Souvent, quand les architectes prennent leur salle de spectacle, elles sont vides, elles sont toutes belles, toutes neuves, prêtes à être utilisées. Là, elles sont déjà en fonctionnement, il y a de la lumière. Il y a plein d'explications techniques, hein. Enfin, il ne se limite pas qu'au dessin. C'est en anglais, mais il y a des très 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 beaux dessins dedans. C'est très lourd. Il y a même un tome 2. Hein. Merci beaucoup à tous les trois. S'il y a vraiment une toute dernière question du public qui voudrait avoir le mot de la fin et qui ne relancerait pas une discussion de 2 heures, on vous l'offre. Ouais. Est-ce que le théâtre idéal pour vous existe ou est-ce que c'est une utopie ? Et s'il y avait un théâtre idéal, quel serait pour vous un théâtre parfait, enfin le meilleur théâtre ? Un théâtre-lieu, vous voulez dire ? Un lieu ? Oui, le lieu. Je réponds en premier, ça vous laisse le temps de réfléchir ? Moi, j'ai fait ce livre parce que je voulais collecter ceux qui me font rêver. J'ai pas eu l'occasion de dessiner celui de mes rêves, si ce n'est un quand j'ai passé mon diplôme, mais j'espère bien me rattraper bientôt. Bon, en guise de réponse, je vais faire une non-réponse dans le sens où je pense pas que ce soit à nous qu'il faille, enfin en tout cas à moi qu'il faille poser la question, mais à chaque metteur en scène, à chaque chorégraphe, et je pense que vous aurez une multitude de réponses en fonction de l'interlocuteur que vous allez avoir. J'ai pas de réponse, je sais pas. Je pense que on est forcément dans des formes historiques et l'idéal c'est le prochain. Mais c'est un beau mot de la fin. Merci à tous pour votre attention et bonne fin de soirée.